Amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, gros salutations pour nous toutes. Aujourd'hui, nous comptons rentrer la caillou pour nous porter un compte football si la pour vous entre la sélection nicaraguayenne de football et la sélection nationale de football. Match comptant pour la troisième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Pour servir, nous deux à nos présences, à côté divers mondes qui ont fait cause nation, hein. C'était l'hymne national du Nicaragua. Je ne t'ai pas dit déjà, nous deux à présent pour porter match football si la pour vous. Et Steven Dieudonné avec au même Pierre Miguel Pierre-Gilles. Bonsoir Steven. Bonsoir Pierre Miguel Pierre-Gilles. Je profite de saluer tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti qui est bel et bien branché match sur ça qui peut opposer Nicaragua à Haïti. Et c'est donc un stade national Managua. Et déjà nous espérons une victoire. D'ailleurs, c'est ça que tout le monde attend, une victoire de l'élection haïtienne. Voilà, Steven, sélection nationale là qui t'a donné un comportement revanchard avant ça, n'a pas tourné. Rapidement, on a passé dans formation Nicaragua, qui l'a caillé dans l'Estadio National de Managua. Dans le Golan, a gagné Justo Lorente avec 201. Et puis, pour gagner Manuel Rosas, 203. Francisco Flores, numéro 16. Oscar Lopez, 20. Josué et Wafano, numéro 2. Pour gagner également Luis Fernando Copeto. Et puis, Jonathan Moncada, Daniel Codena, Juan Barrera, Jaime Moreno, Luis Manuel et Carliano, c'est formation ça. C'est on ça, Steven Dieudonné qui a bien pour démarrer pour l'équipe nicaraguayenne. Barrera qui s'est dangereux, véritable danger équipe haïtienne. Le dangereux Barrera n'a pas appelé, qui a marqué 3 goals contre nous en dernier rencontre de sélection. Yo. Victoire dans victoire équipe nicaraguayenne. Là, c'est pour la composition équipe haïtienne. Mais d'abord, c'est officiel Mathieu Joe Fisher, canadien, c'est un quatuor canadien qui va diriger match football ça. Et pour Haïti, et eh bien tout à l'heure, alors dans un petit moment encore, réalisation va permettre nous de sous écran. Mais il y a un goal avec Johnny Placide en défense, Brial Seus, pardon, Ricardo Adesson, Mustiva, Meshak Jérôme, Carlos Akens, et Brial Seus, Kevin Lafrance, Nami Taterrien, et Derrick Etienne Junior, et Michael Cantave, Dukens Nazon, Sony Mustiva, c'est 4-3-3 pour équipe haïtienne avec et composition ça, Meshak Jérôme et Ricardo Adé en défense centrale. Oui, Steven, nous t'avons dit déjà, jeudi à sélection nationale, là, t'as dû avoir un comportement revanche dans l'air. Ah oui, nous capables de dire revanche pour Haïti, mais toute confirmation pour Nicaragua, à nous pour nous tirer balle là dans nous, puisque nous rappelons, lors du barrage, dernière édition Gold Cup, là, on a parlé de l'édition 2017 là, et bien équipe Nicaragua, mettez nous deux dans le barrage ça. Il y a un barrage côté que qui était dans nous, nous avons battu Nicaragua là, le statut de 14-3. Alors que nous avons gagné match dans nous. Nous avons 3-0 dans le premier mi-temps, et nous avons dominé Nicaragua. Oui, nous avons gagné. Et puis, ils ont réduit le cas là, et puis dans le match retour, Nicaragua gagne nous sur un score de 3-0. Bien aidé surtout, nous ne pouvons pas négliger ça tout. Bien que vous avez aidé par un arbitrage maison, nous ne pouvons pas négliger ça. Et notre petit jeu dit c'était un arbitrage maison. Mais tout de même, l'équipe haïtienne est tombée 3-0. Et 211 Nicaraguayens. 5 minutes pour ça, nous pouvons faire 3 goals. 85e minute, match de 0-0. 211 Nicaraguayens, nous avons parlé là. Il y a un public surchauffé, Stade National Managua. Près de 30 000 personnes qui font déplacement pour venir supporter l'équipe nicaraguayenne. S'il est vrai, nous connaissons les conditions au niveau de sociopolitique, il n'est pas trop bon au Nicaragua, mais ça n'a pas empêché que les fanatiques se déplacent pour venir assister et chauffer l'équipe, pousser vers la victoire. Effectivement, Steven Dieudonné, en parlant de sécurité, au niveau sécurité, il y a en pile disposition qui prend. Côté, il y a 500 policiers qui sont mobilisés pour sécuriser le match-là. À l'intérieur du stade-là, également, donc en dans stade-là. Ajouté à 200 agents privés. Oui, il a mobilisé pour le match. Depuis l'aéroport, il y a un dispositif sécurité là qui a commencé. Côté la police, c'était pour le contrôle délégation. Donc voilà, c'est parti dans quelques instants. C'est pas le coup d'envoi de cette rencontre, de la première manche de cette rencontre entre Haïti et l'équipe nicaraguayenne. Un match qui a joué dans l'Estadio National de Managua au Nicaragua. Il y a un bagage pour nous signaler. Là, il y a à peine 8 heures pour nous. Le match là, c'est à 7 heures lié pour Nicaragua. Nous gagnons en plus Nicaragua. Mais jusqu'à présent, là, nous n'avons pas dit le à respecter. Parce que deux équipes sont déjà sous terrain, tu prends position dans chaque camp. L'équipe Nicaragua est en train de centrer. J'ai l'impression qu'il y a une petite difficulté qui fait beaucoup de cas démarrer. Ouais, deux équipes passent à l'échauffement. Le match a fait camper par rapport à le garder ballon. Mais au niveau de point central, là, côté pour que l'Isse central dans l'immédiat,
et c'est donc arbitre central qui a déjà proposition, et bien là il est obligé et donc il ne peut pas connaître qui ça qui passé, mais et match ne peut pas démarrer. Et n'a signalé tout, c'est une nouvelle pelouse qui fait installer, c'est une pelouse synthétique qui fait installer sur terrain un stade national Managua, et côté que Haïti lui-même il pourra disputer match ça, nous espérons que nous avons toutes les chances. Voilà, et Steven de donner le coup d'envoi donné par l'équipe de Nicaragua. Donc Steven, si dans un dernier match Haïti contre Nicaragua, et bien formation nicaraguayenne n'était joué en bleu, je dis à là c'est nous-mêmes qui avons joué avec couleur bleue à Nabdi Nicaragua, c'est bleu et blanc que lié, mais nous-mêmes nous en tout de bleu vertu, alors que Nicaragua lui-même il a joué en blanc. Il y a un ballon qui sorti dehors, première touche est dans avantage Haïti, non c'est plutôt dans avantage formation locale là. Ose Kiano qui peut calmer la jouette, le sort de Kiano qui exécutait touche là, Haïti a peut-être récupéré, non intervention ça pas bon, nous capable pour un gol bon dans le match là, sauvé sur la ligne, quel sauvetage de Johnny Placide. Heureusement pour nous, est-ce que t'es gagné à ce qu'il paraît, t'es gagné position avancée, et ah oui t'es gagné position avancée sur action ça. Mais Placide a fait très tôt, très tôt, heureusement pour nous Placide a fait l'essentiel, a menacé nous, défense haïtienne nanté et chaude de sous action ça. Et nous connaissons un moment de frayeur sous action ça. Heureusement pour nous, c'est la première minute match là. Oui, oui. Nous tapons, ok, c'est goal. Johnny Placide à la Willos pour la sélection haïtienne de football. Longue Willos de Placide, déviation de la tête. Barrera qui te convoité ballon, mais c'est AD qui recommence sous Placide. Placide fait un Willos avec pied gauche. Li tourne ballon dans l'équipe Nicaragouen, dans déviation de la tête. Meilleur buteur Ligue Nation contre Kakafla du 15 Nazon. Touché ballon. Premier goal pour Haïti. Premier goal pour Haïti. Mais non. Ballon allé dehors. Ballon allé dehors. Et là, c'est un match qui commençait. Et avec un pile intensité, oui. Toutes deux équipes qui ont pas gagné round d'observation. C'est normal, Steven, puisque l'enjeu est de taille, puisque c'est deux équipes qui fait deux victoires dans deux premiers matchs. On a noté que Haïti tapera le bat Saint-Martin, Néerlandais 13-0. Et puis dans la deuxième sortie, il tapera le bat Sainte-Lucie 2-1. Donc c'est même son cloche non, pour l'équipe nicaraguayenne en termes de victoire. Mm-hmm. Il tapera le bat Saint-Vincent Grenadine 2-0. Et il tapera le malmené, tenez ça bien, Anguilla. Donc 6-0, ça veut dire qu'il fait deux victoires en autant de matchs. Deux c'est victoires vrai. Pour nous. Donc c'est normal. Donc, oui, 6 points, oui, 6 points sous 6 pour deux équipes. C'est lève lundi. Guilla par rapport à nous avec Nicaragua, 6 goals c'est très peu, oui. Et il était capable de faire plus là. heureusement pour nous puisque tant de équipes qui puis prennent nos classements, les pressions la mettre sur nous entre temps, on s'entretire mais ballon aller dehors. Et donc plus vous marquez, c'est plus de bon goût. C'est certainement d'ailleurs c'est formule Ligue des Nations, hein, puisque s'il est vrai ou qu'on est à qui équipe qui va jouer Haïti qu'on est ligue 4 adversaire, mais c'est un classement général que vous faites. Tout le monde net entre dans le roi, ils font seul classement, pas gagné question de classement de groupe par rapport avec ça que tout le monde te comprenne. C'est plutôt un seul classement, c'est d'ailleurs c'est ça qui fait nous ouais, Haïti en deuxième position dans le classement ça, Curaçao le premier et dans le classement Haïti le deuxième. Avant journée ça, Curaçao était gagné 6 points sur 6, mais et avec et 10, différence plus 15, Haïti plus 14, nous marquons 15 goals, nous encaissons une. Équipe Nicaragua nous marquons 15 goals, ni pas encaissé. Équipe Curaçao laisse la pardon. Voilà. C'est pral yon en coup franc à ce qu'il paraît. Et match qui faut camper. T'as gagné un joueur nicaraguayen qui t'est touché. Habit central là, est-ce que c'est un bal à terre? Nous habit central là, il prend ballon. Et équipe nicaraguayen a pral remettre équipe haïtienne dans ballon. Et oui, Fondi match n'est pas seulement joué. Et sous terrain de bien avant que le démarre là, t'as gagné un pile polémique tout qui t'a fait. Joueur nicaraguayen. Côté haïtien, il y a une réponse qui t'a baillé. Ron Baïra, il te fait connaître que connaît faiblesse équipe haïtienne et au cas de profiter au maximum de toute faiblesse que défense équipe haïtienne lui-même ligue là-dedans. Nous espérons que monsieur te prend note et surtout avec Makola lui-même qui dit victoire là impérative pour équipe haïtienne. C'est toute délégation équipe haïtienne qui ont même gagné même sous cloche là, donc c'est normal, même motivation bon côté tout le monde. C'est normal puisque vous avez vivre un moment cauchemardesque au Nicaragua. Vous connaissez ça très bien. Oui, c'est vrai que gagnons l'autre pelouse, mais vous connaissez la réalité à vivre déjà. Stade ça, oui. Puisque fanatique, c'est des coups d'envoi jusqu'à coup de sifflet final là, oui. Nous rappelons, vous avez poussé l'équipe nicaraguayenne. Entre-temps, équipe centra-américaine dans le ballon, défense haïtienne n'a peut-être récupéré. Non, vous pas arrivé à récupérer formation nicaraguayenne, n'a pas essayé de passer, mais ballon prêt à sortir dehors. Et c'est bien Ancus Callens qui accompagne ballon, liquide,
franchi limite champ de jeu puisque c'est un avantage Haïti que remise en jeu à l'Ipralier. Et c'est Johnny Placide, goalkeeper sans club, qui lui-même a pas relancé, mais il pas jamais donc et il pas jamais négligé lorsqu'il fait appel à lui, lorsqu'il convoque pour le faire parler, pour le briller par présence lui. Et c'est ça qui fait là, et avec l'équipe haïtienne en tout, lui toujours avlé et by tout lui-même. Johnny Placide est glissé pendant la faire relance là. Attention, deuxième balio, on pas trop comprendre là jusqu'à présent, c'est l'équipe Nicaragua qui a gagné, ça qui pas bon pour nous. Ballon prêt à sortir en touche, très bonne intervention de Will Donald Guerrier. Voilà Steven, ballon qui sortit en touche, pendant ce temps on a profité de saluer Smith Griffon, donc qui effectue un travail de titan, oui, un travail remarquable au niveau de la télévision nationale d'Haïti, et Steven qui a fait et cause nation. Donc... Ah oui, Smith Griffon, sans oublier Yves-Emelin Anouelsen, lui-même oui. Tout, qui a fait un travail au niveau de programmation pour te permettre que match lui-même est capable de rentrer la caille. Et c'est toute équipe là de direction générale jusqu'à ce personnel là qui est motivé pour permettre tout capable de vivre match football ça entre Haïti et Nicaragua. N'a pas appelé, c'est dans le cadre de la troisième journée Ligue des Nations de la CONCACAF. Il y a une nouvelle compétition que vous mettez sous pied, s'il est vrai, et ça que vous fait sortir, c'était pour supprimer match amical sans enjeu, mais toujours des matchs amicaux qui a joué. Est-ce que nous pensons qu'à l'avenir, il a fini par éradiquer question match amical là, même si tout gagne des compétitions en que l'équipe a joué, il est obligé de jouer des séries de matchs amicaux, puisque il y a des matchs à trop en jeu lorsque il y a le joueur qui est capable de mettre et permettre des joueurs qui sont capables de blesser tout ça. Donc c'est dans un match amical pour essayer quelque monde pour ouais. Mais et comme des multiplications de matchs amicaux qui ont gagné vraiment c'est mieux avec la Ligue des Nations en de la CONCACAF. 6 points sur 6 pour Haïti, 6 points sur 6 pour Nicaragua. Donc équipe qui c'est 10 équipes qui fait et plus points ou encore qui mieux classé c'est eux même qui a qualifié d'abord pour phase finale Gold Cup 2019 là, et ensuite pour monter dans Ligue A qui va jouer phase finale Ligue Nations CONCACAF 2019 là. Ils ont un long relance côté Nicaragua, ballon sur côté gauche défense pour Donald Guerrier fait faute. Li pa vle d'accord, li pa vle quoi qu'il te fait faute sur un joueur équipe Nicaragua qui lui-même a tordé, li rete sous pelouse là. Nous voulons parler de dossard de Nicaraguayen qui répond non non au Sekiano. Et oui, Donald Guerrier, li te arrivé en retard et li te est fauché arrière latéral droite équipe Nicaragua. C'est pral yon coup franc excentré sous côté gauche défense haïtienne là. Entre-temps, il y a un joueur haïtien qui a fonti parler avec arbitre assistant pendant que arbitre central lui-même approché pour venir prendre état et bien idée de état joueur nicaraguayen qui était touché sous action ça. Et c'est pral yon coup franc arbitre central là qui a demandé avec un joueur haïtien là d'abord bayo distance réglementaire là, et puis ensuite Mario pour capable respecter les trois joueurs Nicaragua sous ballon. Et finalement gagné Youn qui quitte, c'est deux joueurs qui étaient yo pral tenter en combinaison qui s'accoufre ça pral poté. Nous espérons pas même poté danger voir pour que lui tabanou gol. Attention, le premier a passé sous lui, deuxième n'a metté dans paquet à défense haïtienne n'a paniqué. Finalement yon intervention avec Sonny Mustiva, relance joué de la main, mette gagné faute et au préalable. Et c'est pral yon relance en faveur de la sélection haïtienne de football. Le dangereux Ron Barrera, captain 211, qui t'a marqué 3 goals pour Nicaragua. N'a pas rappelé match ça t'a joué 27 mars 2017 lors de barrage Gold Cup. Match retour dans le stade ça même, stade national Managua. C'est pour qu'on relance avec Johnny Placide. Équipe haïtienne, pourquoi du football? Non, Miguel, Macron souffre même comme ça. Doute, sans doute, sans doute. Macron, est-ce qu'il y a pas pu observer davantage? Donc c'est toujours 0 but partout. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez en ce moment la télévision nationale d'Haïti à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF, où l'équipe de Nicaragua reçoit la sélection nationale de football. Grand trait de touche, déversion de la tête en direction de Derrick Junior Etienne. Danger pour l'équipe de Nicaragua. On attend le centre qui doit venir. Ballon centré. Attention, rebond favorable pour l'équipe locale. Mais finalement, l'équipe de Nicaragua va repartir à l'offensive. Mais bon retour au niveau de la défense. Et il y a faute. Et quand même, non, l'arbitre central va essayer de continuer. Ballon contre le départ. Johnny Placide, le portier de l'équipe nationale. Johnny Placide qui joue en direction de Meschak Jérôme. Meschak balle au pied. Meschak très calme. Que va-t-il faire? Meschak repasse le ballon en direction de Placide. Oui, dégagement du pied droit de Placide, le portier de l'équipe nationale. La balle aérienne. Oui, contrôlée par qui? Oui, par les Grenadiers. C'est bien Kevin La France. On attend le centre. Oui, oui, le centre qui va venir. Ballon centré. Déviation de la tête. Rebond favorable. Toujours pour l'équipe haïtienne. Premier goal peut-être. Voilà. Attention, le centre maintenant. Il y a un ballon qui flâne dans sa déparation. Et finalement, il y a un centre qui va le vivre.
fini et ballon ça qui va le sortir encore sans doute non Derrick Paris était le sorti là aller en retrait et côté il joint dans zone ça Brian Alceus la passe en profondeur danger est-ce qu'il y a une faute mais non la centrale dit il n'y a rien c'était Sony Mustiva Sony qui t'a essayé de centrer mais dommage ballon et pat disons pat prend trajectoire qu'elle était balia et si un ballon qui sorti amis téléspectateurs 6m50 yon match qui entre la caillou grâce avec la courtoisie de la présidence le gouvernement haïtien ballon en retrait par qui c'est bien le portier Augusto Lorento qui dégage du pied gauche la balle pour qui contrôlé par l'équipe haïtienne avec qui Karlen Sarkus qui repasse le ballon en direction de et c'est bien Ricardo Adé Ricardo qui joue en direction de son compère Meshak pour Will Donald qui joue dans l'axe en direction de Brian non ça ne marche pas récupération pour l'équipe locale mais finalement l'arbitre central de cette rencontre Monsieur Drew Fisher, le Canadien qui arrête la rencontre puisque Kevin Aïk est descendu. Pierre-Gilles joue à El Limassol qui lui-même t'a fait un mauvais contrôle d'une part. Et heureusement pour lui, il était arrivé sur le premier joueur nicaragouien, il joue ballon. Mais deuxième joueur arrivé et fait commettre faute là. Là, c'était plutôt Brian Alceus qui était allé à terre. Et là, c'est pour qu'il y a un coup franc pour la sélection haïtienne de football. Joue pas, mais chaque jour. Oui, Brian Alceus qui joue rapidement. L'équipe haïtienne à l'attaque. Dukens oui, Nazon. Dukens qui peut tirer. La frappe lointaine de Dukens Nazon. Mais mesdames, messieurs, facile pour le portier de l'équipe locale en parlant de Nicaragua. C'était Justo Lorento. Entre temps, l'équipe haïtienne repart à l'offensive. Avec qui? Et c'est bien Brian. La passe à gauche en direction de Will Donald. Est-ce que l'arbitre est arrivé? Oui, quelle lutte pour la possession de la balle. Mais finalement, l'arbitre central, Monsieur Drew Fisher, a tranché au profit de l'équipe haïtienne. Et donc, puisque tu as un corner, selon lui-même, il y a une déviation qui peut être un corner. Est-ce que corner ça pral pour un barrage pour nous? La 12e minute de jeu, premier corner de la rencontre. 0 pour Haïti, 0 pour Nicaragua. Si vous à peine rejoignez nous ou sous télévision nationale d'Haïti dans le SAM, nous portons pour 3e journée de Ligue des Nations et de la CONCACAF. Qu'on est balancé, ballon pour qui? Yon ballon qui va le contrôler rapidement. Mais pas qui? C'est Ricardo Adé qui est monté. La passe en retrait, le centre de la boîte. Yon deuxième déviation. Et pour Derrick Junior Etienne, calé dans la boîte là. Côté le talé, c'est Yon Cantave. Attention, nous papa. Et go! Michael Cantave, l'ouverture du score pour l'équipe haïtienne, amis téléspectateurs. Oui, à la 12e minute de jeu. Oui, en tant que défenseur parfait. On supporte ça. Merci PI. Oui. Merci. De vous by PI là, merci. Merci PI. Oui, un bon attaquant, Michael Cantave qui a évolué dans la 4e division en Espagne. Un bon opportuniste. Michael Cantave qui l'ouvre le score pour l'équipe haïtienne, non? Et yon goal à zéro là c'est Akus Callens qui lui-même après le replacer lui te vin saluer Michael Cantave, féliciter le pour goal ça. Michael Cantave qui c'est hier jusqu'à hier il était en attente pour qu'on essaie la capoter couleur équipe haïtienne puisque lui était déjà disputé dans le mondial jeunesse dans catégorie jeune et U17 Canada. Avec Canada il était déjà joué Coupe du Monde et bien c'est hier la FIFA lui-même lui fait un bypass là et permettre avec équipe Michael Cantave jouer pour Haïti. Premier buteur match là, Michael Cantave, pardon, 13e minute de jeu. Est-ce que c'est route ouverte pour hostilité commencer à déclencher? Certainement, nous espérons que Cal gagne un autre goal qui a venu. Yon équipe haïtienne n'a pas rappelé ses meilleures attaques compétition. Hein? 16e goal pour Haïti. Et puis bon ratio goal là tout. Avant match, ça nous a gagné 7.5 goals par match. Mm-hmm. Et nous avons marqué 15 goals dans 2 matchs. Et bien équipe haïtienne là, qui lui-même a bien comporté jusqu'à présent dans la Ligue des Nations. Hein? Mm-hmm. Au niveau de tir à tout, c'est nous-mêmes qui avons tenté plus de tir dans la compétition. Ça, Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Dans 2 premiers matchs. Oui, après 2 matchs seulement. Mm-hmm. Après 2 matchs seulement, équipe haïtienne a tenté 74 tirs. Et là, il y a une demi-douzaine de tirs déjà qui tentent côté équipe haïtienne. Non, c'est pas exagéré. Et donc, ajouter à ça, ça va faire 80. Et bien, équipe haïtienne jusqu'à présent, qui a fait une très bonne compétition. Daniel Cadena pour ce coup franc. Ballon balancé. Danger pour la sélection nationale. La déviation de la tête. Pas de souci pour Johnny Blas. Pas de souci, pas de problème, pas de grief. Oui, très calme. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a faute? Puisque. Il y a un joueur Nicaragua qui était au tapis, ami téléspectateur. Est-ce que c'était un télescopage? Arbitre central là, il fait appel à ma soeur de l'équipe. Oui. Mais nous avons remarqué que c'est un joueur nicaraguayen qui plus t'a plus touché. Est-ce oui. que tout c'est à
une altercation entre deux messieurs et puis Guillaume qui fait les frais, nous allons le suivre. Deux joueurs sautés. Et... oui, non, c'est après. C'est après, c'est une altercation entre deux messieurs. Oui, Steven Dieudonné n'a profité de dire que Nicaragua, son pays en Amérique centrale là, donc qui est limité au sud par le Costa Rica et au nord par le Honduras. Donc c'est la capitale Nicaragua que nous est là, du côté de Managua. Managua. Oui, et c'est la match à jouer. Et bien, information en Nicaragua qui est 127e au niveau de classement en FIFA, alors que l'équipe haïtienne a trouvé la 13e position. Elle est trouvée dans la 103e position. Nicaragua est 13e dans le classement contre Cacafla. Et 127e mondial. Le 11e Nicaragua tout 127e classement contre Cacafla. Oui, Nicaragua. Ça, c'est goal là. Il y a une erreur de défenseur qui est profitable à l'équipe haïtienne. Nan. Michael Cantave n'a pas pardonné la défense. Nan. C'est ça nous besoin. C'est ça nous besoin. Au niveau de l'attaquant haïtien, lorsqu'on joue une opportunité à CFL. Oui. Il était joué premier déjà dans le même match là. Et il se sent en retrait. C'était, il était capable de dire que Donald Gay était trop précipité pour le défenseur. Non, mais il était capable de scorer. À ce qu'il paraît, Donald, est-ce que c'est Derek Etienne? Est-ce que c'est Derek? Ça a passé là. Il a contesté la décision arbitre là. Il était pour que nous confirmer qui ça qui a arbitre la tranché. Non, Derek Etienne qui a évolué dans MLS là. C'est joueur New York Red Bulls. Ils ont une équipe qui est qualifiée pour finale en conférence. Et je vais parler de. Et Derrick Etienne, Derrick Etienne Junior, c'est frère Daniel Etienne. Après qualification, ça qui devrait nous rater vol lui, puisque c'est une tradition. Oui, il est qui nous finit qualifié, heureusement pour nous. Heureusement pour nous, et Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Et là, c'est. Oh, non, Donald. Non, Donald. Est-ce que Donald va? Non, Donald. Il y a un très mauvais geste, geste anti-jeu de la part de Wild Donald Guerrier, joueur FK Karaba. Oui. Nous avons parlé d'un pays Azerbaïdjan qui a évolué dans la Ligue Europa. C'est un très mauvais geste l'année de Wilder Guerrier. Heureusement pour nous, pas gagner va. Mais comme ils disent ça, et arbitrage vidéo. Et Donald expulsé. Bon, nous avons dit heureusement pas gagner arbitrage vidéo avec Europa là-dedans. Mais Donald Liffel, il mérite. Lui méritait Pierre-Miguel Pierre-Gilles, sous un que nous souhaitons, oui. Nous t'avons souhaité que permettre aux téléspectateurs même mieux ouais, bien comprendre le geste de Donald là. Lui baïkoua vraiment avec un joueur nicaraguayen. Eh bien, c'est dommage pour nous, un coup dur à la 17e minute de jeu. L'équipe haïtienne a évolué en infériorité numérique. Nous prenons évoluer à 10 contre 11. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. Oui. Oui. Coup franc pour le Nicaragua. Coup franc à quelques 0 pour Nicaragua. Un Haïti, ballon balancé. Oui, nous avons parlé tout à l'heure de Nicaragua. Eh bien, qui gagne une population qui est évaluée à 6 167 237 habitants. Également, ils ont une superficie de 129 494 km². Très vaste. Oui, oui. Oui, très vaste. Mais regardez, nous aux environs de 10 millions d'habitants, Nicaragua, malgré superficie, malgré surface qu'il gagne, il gagne seulement 6 millions d'habitants. Nicaragua, par rapport à nous, qui 27 000 de kilomètres carrés, donc Nicaragua est capable de faire plus de 3 fois. Et nous, entre temps, il y a une attaque avec l'équipe haïtienne du Kent Nazon, mais défense Nicaragua pas dans le jeu tout. Nous supposons profiter là. Haïti a évolué en moins, nous pas capoter tête, nous allons trois tout le monde, il a peut-être passé, mais ballon dégagé par la défense haïtienne. Est-ce que Derrick Etienne Junior a privé Joueli? Oui, Derrick Etienne Junior joué. Il y a une intervention où la gâte comme elle est passée vis-à-vis à le centre. Non, pas de gain, mon premier poteau. Ballon capté par Justo Llorente, goalkeeper équipe nicaraguayenne. Non, mauvaise passe de Arcus Callens, il a besoin de retourner vite. Qui est-ce qui a campé pour lui? Très bien joué, mi terrain. Deux mounes arrivés sous porteur de balle nicaraguayen. Ballon équipe qui quitte champ de jeu. Mais c'est dommage, c'est un avantage nicaraguayen. Là, dans le match, ça permet de nous partager le ballon dans le pied nicaraguayen. Tout autant que nous avons conservé le ballon, c'est conservé la touche au profit de nicaraguayen. Exécuté rapidement. Il a essayé de sortir à partir de moitié de terrain par là. Dans le charnier central, le ballon à présent sous côté droite. Défense équipe nicaraguayenne. Il y a déjà dans moitié de terrain par nous. Ballon avec Barrera qui joue en retrait. Il joue
cœur défense là, équipe nicaraguayenne, il a fait circuler ballon à Manuel Rosas, c'était Francisco Flores qui desservi lui, ballon allé à gauche, sous côté gauche défense nicaraguayenne, il a joué avec Luis et Angel Copete, c'est Luis Fernando Copete qui jouait, ballon tourné sous côté droite, défense équipe nicaraguayenne, il joue avec José Quinto, ballon toujours pour la formation nicaraguayenne de football, pas de problème, et ballon mais on met Joe Boulou, attention équipe à nicaraguayenne, mais toutefois défense haïtienne besoin était et donc solide, bien joué, pas paniqué, là où il lance avec Arcus Callens, mais c'est pour la défense nicaraguayenne, joué avec Manuel Rosas, la passe sur le côté gauche de Manuel Rosas, le jeune Luis Fernando Copete prolongé, un couloir gauche là toujours, Yogel là, et il a fixé, et donc Arcus Callens, le sort 10 nicaraguayen, Luis Gallardo, il a joué en Delax, qui est-ce qu'a privé, fait intervention, il récupère le ballon, intervention côté haïtien, ballon pral sorti en touche, très bonne intervention de Brian Alceus, ballon qui allait en touche, et c'est un avantage Haïti là, et donc nous allons parler de Makola, il est obligé de faire un choix, un changement tactique lorsque l'équipe haïtienne n'a pas gagné ballon, il est mandé avec Derrick Etienne Junior qui a joué comme ailier gauche pour que il tourne vienne et camper dans la zone gauche là, latérale gauche là, qui s'est position ou bien place Donald Guerrier talonnade, mais qui pas réussi, ballon qui allait en touche. Dukens Nazon jusqu'à présent tenu en respect par la défense nicaraguayenne. Si le vrai Haïti a mené un goal à zéro, but marqué par Michael Cantave, jeune attaquant haïtien. Ballon en défense équipe nicaraguayenne, une petite passe de l'axe. Il a joué à gauche avec Copete, prolongement, mais c'est pour la défense haïtienne. Très bien joué, nous empêcher de sortir là. Rien, Alceus, bien joué la déviation. Dukens Nazon, non, Dukens Nazon, passe pas de fête là. Wapkado, Wego Mundandol, équipe haïtienne, besoin de placer le vite. Intervention. Et ballon avec Derrick Etienne Junior, l'équipe Mundandol, bien joué Derrick Etienne Junior. Non, trois précipitations. Il essaie de jouer sous Dukens Nazon. Défense équipe nicaraguayenne, équipe ballon. Intervention très beau tacle. Jusqu'à présent, Brian Alceus a bien gros match. Là, c'était Kevin Lafrance qui est arrivé. Et pour aller en intervention, c'était plutôt Sonny Lusiva qui était taclé. Et pour t'empêcher de jouer nicaraguayen, jouer ballon. Une longue passe. Attention là, Johnny Placide. Et c'est et donc plutôt Arcus Callens qui dégageait. Johnny Placide était en proposition. Toutefois, ballon, lui-même était maté. Non, c'est facile pas pour jouer. Mais sorti ça, il est supposé réussir ou pas qu'il doit sortir ou pas jouer le ballon. Voilà, pas grand changement du côté de la sélection nationale. Alex Christian Junior. Oui. Et comment qu'il capte défense sélectionneur haïtien, oui, il est obligé. Il est obligé puisque il a joué sans latéral gauche. Alex Christian Junior et c'est à la place de Michael Cantave. C'est Michael Cantave, s'il est vrai pas content de changement mais et donc il est obligé de sortir. Alex Christian Junior qui va jouer comme arrière gauche. Johnny Placide, très bonne intervention. C'est Constance là obligé de capitaine haïtien, oui. Sacrifier Cantave. Oui, il est obligé. Changement intempestif, changement qui fait un changement forcé. Oui. Mais, nous avons mené un goal à zéro. Jusqu'à présent, nous sommes bien classés. Au niveau classement, nous sommes 9 sur 9. Et bien donc, Nicaragua qui fait partie top 10. Momentanément, nous sommes 9 sur 9. Oui, Nicaragua qui fait partie top 10 là, puisque nous avons 6 points. Nous était en 8e position avant le match. Et bien, si nous quittons Nicaragua plus bas, ça veut dire que nous avons une chance toujours pour nous monter. Est-ce que nous sommes là? Tout le temps, nous avons monté dans le top 10. Depuis nous avons gagné dans le top 10 là, si nous battons là, nous avons permis à l'autre qui a gagné 4 points, 5 points passer devant. Pendant l'équipe, ça a gagné 5 points passer devant l'équipe qui a gagné 8 points, ça par exemple. Il passait, et bien nous-mêmes qui passions à 9 points, nous avons quitté, nous sommes plus bas toujours. Voilà. Yon relance Saint-Pierre-Miguel. Effectivement, Steven, je donne 1-0. Si vous à peine rejoignez nous, c'est Haïti qui a mené. Goal qui est inscrit par Michael Cantave. Mais malheureusement, qui t'a pas le sauté. Remplacé par Alex Junior Christian. Et donc, puisque nous avons joué en nous toujours joué en infériorité numérique. Mais oui, Donald Guerrier qui t'a pas le carton rouge. Et bien, sélectionneur le Makola. T'a pas le obligé de sacrifier Michael Cantave. Et buteur match football là pour que lui monte avec Alex Junior Christian. 1-0. Ballon contrôlé au niveau de la défense de l'équipe nicaraguayenne. La passe vers Josué et Quijano. La passe en profondeur. 23e minute de jeu. La passe en avant vers Juan Barrera. Leonardo le centre. Le centre pour qui? Ballon pas contrôlé par l'équipe nationale. Et c'est bien Méchac. Oui, qui contrôle le ballon. Il est capable de jouer en profondeur. Attaque pour l'équipe haïtienne. Les Grenadiers. Et contrôle la balle. Oui, attention, attaque pour l'équipe haïtienne.
haïtienne. Il est capable de jouer à gauche. On allait. Et conservation de balle réalisée par le joueur haïtien. C'était Méchac Jérôme. Méchac qui joue en direction de Derrick Junior Etienne. Derrick Junior en face de lui. Il y a Josué qui jamais la frappe déviée. Oui, le ballon est allé en corner. Quelle déviation du portier. Corner pour l'équipe haïtienne. 24e minute de jeu. Option, c'est marqué plus goal. Oui. N'approche encore une fois, mais frappe là. Quelle parade! Derrick Etienne Junior, puis Miguel. Parade salvatrice du portier. Il grandit dans ce jeu là, il grandit tant au niveau technique, au niveau tactique tout. Derrick Etienne Junior, lui-même, il évolue en Haïti. C'est aux États-Unis qu'il a évolué. Qui s'est passé là? Nous, alors, c'est Brianceus qui tout prend, Barrera en charge. Attention, ballon balancé. Qui est-ce qui a privé là? Ballon avec Alex Christian Junior. On va souvent de gauche là, Christian, le monde au ballon. Un ballon contré au passage et équipe de Nicaragua n'a contre-attaqué. La passe en profondeur. Bon retour. Retour payant. Heureusement, c'est Brian Serius qui arrive. Oui. Défenseur calme météo, Gérald, t'es capable de mettre nous dans le courri. D'accord. Et Steven, trop de temps pour le monter. Remerciements à la présidence qui a rendu possible cette rencontre. Remerciements également au gouvernement haïtien. L'équipe de Nicaragua qui contrôle la balle en territoire de l'équipe haïtienne sur le côté gauche par Josué Quijano qui n'a pas trop de solution, qui retourne en retrait en direction de Francisco Flores. Francisco, que va-t-il faire? La passe en direction de ce combat défensif. Manuel Rosas balle au pied. Manuel, oui, conservation de balle de Manuel. Manuel qui donne en direction de Francisco Flores, son copain défensif. Francisco Flores balle au pied. La passe latérale vers Oscar Lopez qui avance balle au pied. Oscar en terre haïtienne, en territoire de l'équipe nationale. Oscar qui joue en direction de Jonathan Moncara qui repasse le ballon vers Oscar à nouveau. Oscar, la petite plate de Oscar vers Barrera. Oui, mesdames, messieurs. Donc faute au dépens du joueur de l'équipe nicaraguayenne. Et l'arbitre central, Monsieur Fischer, suivait de près cette action. C'était sous les yeux de Monsieur Joe Fischer, oui. C'est un Canadien. Bon bagaille pour nous éviter, Pierre Miguel Pierre-Gilles. Dans toute zone contre Cacafla net, nous pas jamais un arbitrage qui n'a avantage nous. Non. Qui en faveur nous. Sans doute. Soit vous équilibré, soit vous contre nous. Faut monsieur éviter faire faute. Éviter faire faute dans l'entrée surface réparation. Dans la zone, nous capable de dire zone dangereuse là. Si nous faisons faute, faire de loin. Oui. Tout faire dans mi-temps terrain, zone et rond central là. Parce que gain d'intervention fait, l'arbitre central là n'est pas pardonné. On a habitué subi de genre de situation ça. Oui, il y a une intervention, ça c'est faute liée. Oui. C'était sous Jaime Moreno. Faut faire preuve de sang-froid, il faut nous faire preuve de patience, il faut nous capables de calmer nous lorsque nous allons chercher ballon. Pour nous chercher ballon, ne pas le faire vieille faute. Et il faut nous pas anticiper également. Et il faut que je prenne note, tu prennes leçon de ça de Nalguerrier sur ce feu là. Oui, oui. Et qui va essayer de nous souffrir là, c'est à cause. Une faute stupide. Stupide de la part de Nalguerrier. Donc, malheureusement pour nous, on a joué en infériorité numérique. On a noté pour eux, c'est Will Donald Guerrier qui expulsé après que le film commette une faute qui va être déplacée. Non, du tout. Oui. Du tout pas, un ballon balancé. Alors, on ne dit pas de gain, c'est pas une faute. Ballon balancé et puis deux messieurs sauter pour faire coup de tête pendant toute l'autre durée sauter. Il y a une balle, un ballon. Peut-être que tu as un échange déjà. Et puis, les gens descendent, ils ont parlé. Et puis, Donald tire le coup. Vous comprenez? Et ça qui n'est pas de fait, c'est vrai, même dans un de deux, ouais, Nicaragua, balcon en dos. Mais habite central là, pas ouais. Ryan Seus qui a quitté pelouse là. Oui, pelouse de l'Estadio Nacional de Managua. La tourne. C'est ça, me souhaiter. Voilà, c'est la capitale Nicaragua que nous y est pour nous porter au coup de football. C'est là pour vous, amis téléspectateurs. Coup franc pour le Nicaragua sur le ballon, c'est bien le 2-7. Oui, Napton Poulouin qui s'est sapoté. Le portier haïtien très calme, Johnny Placide. Oui, pas de souci pour Placide. Napton Poulouin qui s'est sapoté. Coup franc pour l'équipe de Nicaragua. Oh là là. Pas de soucis, ballon capté en deux temps. Pas de soucis. Ballon capté en deux temps par le portier haïtien Johnny Placide, l'ancien portier d'un avant Guingamp. Oui, l'équipe ça a quitté quand même tenu en échec le Paris Saint-Germain dans l'édition 2016-2017 là, dans la première journée à côté de l'équipe au penalty et donc de Zlatan. Oui. C'était une histoire. Oui. L'équipe haïtienne contrôle la balle avec le dossard 22 d'Alex Junior Christian. Alex toujours
quelle lutte d'Alex pour la position de la balle. Ballon perdu, il y a une déviation en touche, il y a un ballon qui sortit en touche. C'est Kevin qui mettait en touche et touche pour l'équipe nicaraguayenne de football. 29e minute de jeu, bientôt la 30e. C'est pour aller entrer touche qui va le faire rapidement par Josué Quijano pour l'équipe nicaraguayenne. Là, il est dans l'axe du terrain. Là où il y a Jonathan Moncara. Moncara Jonathan, la passe latérale vers Luis Copete qui donne en direction de Luis et Galeano qui repasse le ballon vers Copete balle au pied, Copete en territoire de l'équipe haïtienne, la passe de Copete dans l'axe vers Jonathan Moncara, la passe sur le flanc droit en direction de José Quijano peut centrer, on attend le centre ballon dévié, mais oui effectivement joueur haïtien pas quitté le sorti puisque Connor qui pourra le faire entrer touche là rapidement pour l'équipe nicaraguayenne de football. Oui, on attend ce que ça va donner. Rentrer touche exécuté rapidement. Déviation de la tête au niveau de la défense. Le danger persiste. Oui, danger écarté. Attaque pour l'équipe haïtienne. Oui, donc l'équipe haïtienne qui repart l'offensive. La passe au de Nazon. Nazon. Que va-t-il faire? Oui, attention, goal peut-être. Et goal. Et voilà, Kelsen Junior, ça fait 2-0 pour Haïti. C'est payant, c'est génial. Ça fait 2-0 pour Haïti. Oui, 2-0. Si vous nous rejoignez à peine, Derrick Etienne, Pierre-Miguel Piège, marque le second but de l'équipe haïtienne. Haïti. Gagnons centre. Haïti. Oh, son chèque. Haïti a passé une correction à Nicaragua jusqu'à présent. Et nous te dit dans le début, okay. Haïti t'a parlé d'un comportement de revanche. Ah oui. Oui. Il y a un comportement de revanchard dans le stade ça. Oui, dans le stade ça on a fait au pays ça a été fait. Bat, non, 3-0 habitué 7-0, 11-0, bah nous 3-0 éliminer nous dans le World Cup Miguel Virgil. Oui. Hein? Oui, ça pousse au fond changement rapidement. Ça pousse au réagir. Juan Barrera, oui. C'est joueur à surveiller hein, qui était dans match ça mais heureusement, lui quitter champ de jeu sans que lui pas même inquiété pas quoi Barrera font tir. Et me connais speed qu'il faut noter pour nous là, le plan regarder pour nos statistiques. Pas comme Barrera tente ton tir sur équipe haïtienne. S'il tente on n'y pas arrivé sur Johnny Placide. Barrera n'a pas appelé qui a prévu de Colombie. C'est lui pas même lui même perdu place lui dans équipe que l'a prévu de là. Et Barrera qui lui même tout perdu place lui en deux sélections. Ouais, il a forcé mettre lui pas en grande forme. C'est pas un joueur qui en état. Eh bien, il était forcé mettre lui là. Ouais, de très tôt avant même la mi-temps entraîneur là Henri Dualte lui changer lui. Voilà, nous poussons au fond changement, n'a pas joué en infériorité numérique. Oui. Ça n'a pas empêché que nous menions 2-0 en déplacement à l'Estadio National de Managua du côté de Nicaragua. Oui, la passe latérale, ballon dévié en touche, non pas sorti. C'est la défense qui contrôle avec Oscar Lopez, qui repasse le ballon en direction de Francisco Flores. Francisco, la passe vers Luis Galeano qui donne à gauche en direction de Luis Copete. Ça se joue entre les joueurs nicaraguayens. La passe en déviation, n'y a pas qu'à combiner vraiment. Donc, nous présents presque sur toute balle. La passe, yo joue en retrait. Côté aller sous Jonathan Moncara qui joue en direction de Oscar Lopez, on attend le centre, mais quel retour payant donc du joueur haïtien n'a reçu la mais centre là, mais passe là donc okay. Et là Derrick Junior Etienne de la tête oh là, c'est génial, c'est beau à regarder du Kens Nazon et Derrick Etienne Junior. Oui. Derrick Etienne Junior d'abord avant même qu'il quitte l'immédiat, non c'est lui qui joue le ballon, il y a les pour contre lui, il lance du Kens Nazon en profondeur qui passe dans deux défenses là et le temps Derrick Etienne Junior arrive dans la surface séparation, il met le ballon exact. Voilà, nous partons pour le troisième goal. Nous partons pour le troisième goal. Attaque pour l'équipe haïtienne, nous la gauche. Rien la passe de Nazon. Troisième goal peut-être. La sortie à bout portant du côté. Oui, la sortie exacte. Oui. Réalisée par Justo Lorente. Faut féliciter l'intervention gardien. Oui, Justo Lorente. Oui, qui font sortie salvatrice. Oui, à bout portant. Quelques résultats, Pierre-Miguel et Gain Grenade qui battent Saint-Martin. En 5-2. Et dans le moment où on a parlé, il y a plusieurs matchs qui a joué. Jamaïque 2-1 sous Suriname. Corner de la gauche vers la droite pour l'équipe haïtienne. Non? Est-ce Derrick Etienne Junior? Est-ce que c'est lui ou encore Gran Alceus qui va le balancer? Oui, n'a pas de problème. Corner pied droit qui va une trajectoire. Rentre, coup de tête. Ballon passé à côté. Et quelques résultats. L'équipe haïtienne, non? L'a mené 2-0 sous Nicaragua. On a joué 34e minute de jeu. Gagné cette Lucie.
avec Cayman Allen il Cayman, c'est 0-0 match qui en cours, c'est match qui en cours que n'a regardé là et rapidement gagne Jamaïque qui 2-1 sous équipe surinamienne et match ça qui a joué là et puis quelques résultats qui passaient à Aruba les mêmes qui tombaient 0-2 face à formation Montserrat, Bermude qui les mêmes bat Salvador yon goal à 0, c'est étonnant Bermude bat Salvador et puis Belize bat Porto Rico, ça a très mal passé pour Porto Rico, ça a très mal passé pour Porto Rico qui pas bien comporté dans la compétition ça et équipe cubaine qui lui-même bat la Dominique yon goal à 0. Et Steven tu donnais en parlant de Cuba, c'est prochain adversaire Haïti. C'est pour aller au stade le 14, le 24 mars 2019. 2019, mais voilà, oui. C'est pour le dernier match, nous. Donc, c'est l'année prochaine. Ligue des Nations. Et c'est tout, Fonzo, c'est phase qualificative là qui a joué là. Les phases finales Ligue des Nations, il va jouer en 2019. Oui. Et donc, c'est phase qualificative là, ça nous t'a qu'à dit éliminatoire, mais nous dit parce que c'est Ligue des Nations commence ou là. Effectivement. Et donc, nous espérons que téléspectateurs sont bien édifiés de et nouvelle compétition ça qui pas seulement faite dans zone CONCACAF la fête tout en Europe la fête tout en Europe et bien et c'est deux et confédérations ça qui commencent c'est la CONCACAF et puis et l'UEFA. Voilà premier match nous te battre Saint-Martin Irlandais 13-0 Sainte-Lucie te prend 2-1 dans deuxième match nous et là Galguin, à l'instant même en ce moment n'a mené 2-0 contre le Nicaragua en déplacement à l'Estadio Nacional de Managua. Il y a faute au dépens du joueur nicaraguayen. C'était Jaime Moreno qui a été descendu sous les yeux de monsieur Joe Fisher, l'équipe locale à l'attaque sur le flanc gauche par Luis Copete. Luis Copete, que va-t-il faire? La passe vers donc Manuel Rosas, l'équipe de Nicaragua. Donc, essaie de combiner la passe à droite, mais tac à ras de terre pour mettre le ballon en touche. Ça, le ballon ne sort pas, mais finalement, dégagement et ballon dégagé finalement par. Et c'était bien Carlins Arcus, le dossard 5-2, l'équipe nationale. Oui, allez les Grenadiers, n'a mené 2-0. Nous besoin de goal toujours. Plus nous marquons, c'est plus le bon pour nous. Rentrée touche faite rapidement par Luis Copete. Calendé de Daniel Cadena. Cadena, oui, marqué de près par un joueur haïtien. Ballon sorti en touche. C'est pour Lyon, rentrée touche pour l'équipe nicaraguayenne de football. La 36e minute de jeu. Bientôt la 37e. Haïti a mené 2-0. Pour le goal, là, c'est Michael Cantat qui est inscrit. Alors que Derrick Junior Etienne, t'as pas le marqué deuxième goal là pour nous. Dans la rencontre football, si là, n'a noté également que n'a joué en infériorité numérique. La passe en retrait vers Francisco Flores qui joue en direction de Oscar Lopez. Oscar qui peut centrer, mais ballon perdu. Oui, attention et récupération rapidement Kevin pour l'équipe haïtienne par Kevin. Kevin qui peut jouer en retrait. Oui, c'est ce qu'il fait en direction de Méchard. La passe en retrait. L'équipe haïtienne qui fait circuler la balle. La passe en profondeur à la recherche de Duke Nazon. Ça ne marche pas. Oui, deuxième balle favorable pour nous. Voilà. Côte faute là. Faute pour le Nicaragua. Faute. Fonta ou un ralenti. Vous nous voyez vraiment si joueur haïtien va te commettre faute. Oui, ballon exécuté rapidement. La passe, le centre de la boîte. Disons dégagement de la tête. Rebond pour qui? Rebond pour le Nicaragua. La frappe le ten. Le ballon est allé à côté. Début gardé par le portier de l'équipe nationale, Johnny Placide, qui pourra donc exécuter le ballon rapidement, qui pourra remettre le ballon en jeu. Johnny Placide, qui jusqu'à présent ne pourra jamais quitter le match là. Donc, il faut nous tenir, disons, une première minute pour nous faire une intervention de Placide. Oui, même si tu es en jeu sous action, oui, en fond de oui. Ça. Et puis sous coup franc, on barre à tout. Alors, c'est pas on barre à nous, 107 là, bien Miguel vérifie pour nous. Mm-hmm. Et sous coup franc, il était jeune là, ballon était allé directement sous Johnny Placide. Et là, il était fait une intervention. Là, c'était après Daniel ça, Cadena. Et Daniel Cadena, donc depuis lors, pas gagné trop de danger et pour l'équipe haïtienne encore trop inquiétude pour Johnny Placide. Voilà. L'équipe nicaraguayenne balle au pied, la passe en profondeur, mais bon retour au niveau de la défense réalisé rapidement Alex par ici. Alex Junior Christian. Alex Junior Christian qui dégage, oui, dégagement favorable pour l'équipe nicaraguayenne par Josué Quijano. Josué Quijano qui joue en profondeur, quelle déviation de la tête. Oui, Kevin Lafrance dégage la balle. Oui, attention, contre-attaque, danger pour le Nicaragua. Avec qui? Et c'est bien Kevin. Kevin pour Nazon. C'est mal fait. Mais malheureusement, Kevin revient à la charge. La passe en retrait. Toujours pour l'équipe haïtienne. Et ballon contrôlé cette fois-ci par. Et donc c'était Mustiva. On attend le centre. Le centre qui t'a d'avenir. Ballon centre de la boîte. Déviation de la tête. La deuxième balle pour Nazon. Duke Nazon. Ah, oui. Troisième balle peut-être. Pagé en jeu. Ça doit être goal. Ça doit être goal. Mais non, c'est pas possible. Oh là là. Duke Nazon, Pierre-Miguel Pierre-Gilles qui a joué avec le feu.
Et c'est pas possible. Qui rate lui. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible, amis téléspectateurs. Si vous nous rejoignez à peine, l'équipe nationale mène 2-0 au profit de l'équipe nicaraguayenne en déplacement à l'Estadio Nacional de Managua dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Cette rencontre est rendue possible grâce au support du gouvernement haïtien. Pierre-Miguel Pierre-Gilles nous profiter et saluer et Real lui. Oui, lui Real. Et qui est même de Real Production, qui passait visiter nous. Oui. Qui passait dans le studio Télévision Nationale d'Haïti pour lui regarder comment que nous-mêmes avons investi nous pour nous permettre aux téléspectateurs eux-mêmes sont capables de vivre un match football ça. Et Matsa n'a pas précisé qu'il a pas joué ou encore qu'il a déroulé dans la capitale pays Nicaragua, Stade National Managua. Haïti a mené 2-0 après 40 minutes. Voilà, merci. Ballon toujours favorable pour l'équipe nicaraguayenne. Mais dans leur propre match de terrain, avec qui c'était, mesdames, messieurs, Kevin Lafrance. La passe en profondeur. Ballon perdu. Récupéré rapidement par Luis Galeano. Luis Galeano. La passe de Luis Galeano. Mais bon retour au niveau de la défense. Retour réalisé par donc Meschak Jérôme. Qui s'appuie en direction du portier. Le capitaine de l'équipe nationale. Oui. Et donc, disons, c'était bien. Et Johnny qui passe des ordres à ses coéquipiers. Déviation de la tête. La deuxième balle. Et sans doute, c'est pour l'équipe nationale. Avec qui c'était bien. Alex Junior Christian. Et l'équipe haïtienne et va repartir à l'offensive. Dukens Nazon. C'est un joueur qui est capable de marquer. Il est capable de faire marquer également. Très technique, habile balle au pied. Mais il est descendu sous les yeux de l'arbitre canadien, monsieur Andrew Fischer, qui octroie un coup franc favorable pour l'équipe haïtienne. Puisque Dukens a été descendu. Et voilà, 2-0. Nous devons marquer l'autre goal toujours, Steven. Plus nous marquer, c'est plus le bon. Amis Central a fait appel avec ma soeur, équipe haïtienne. Non? Et 41e minute de jeu. 13e minute ouverture score pour équipe haïtienne avec Michael Cantave. 31e minute, deuxième goal là, Litabral Vini avec Derrick Etienne Junior. Premier goal là, c'était un héros dans la défense équipe Nicaragua, un mauvais dégagement. Michael Cantave était profité, il jouait un ballon dans environ 10 mètres et puis il mettait frappe là, pas de quitter chance pour gardien équipe Nicaragua. Et puis Derrick Etienne Junior sur une contre-attaque avec Dukens Nazon à Yodea, Nazon centré pour lui et de la tête, lui surprendre encore trompé et vigilance portier équipe Nicaragua. Attention, coup franc balancé, ballon repoussé, mesdames, messieurs, du point du portier. Justo Lorento, le portier nicaraguayen. La deuxième balle favorable pour l'équipe haïtienne. Sur le flanc droit par Carlens Arcus. Que va-t-il faire? Ballon perdu. Oui, rebond favorable pour nous. Mais la deuxième balle héritée par l'équipe nicaraguayenne. Avec qui c'était Jonathan Moncara qui joue en profondeur. Mais c'était sans succès. Yo allait en retrait. Côté abjoint Justo Lorento. Justo Lorento qui joue en défense vers Francisco Flores. Francisco, la passe latérale en direction de Josué Quijano. Quijano, la passe en profondeur. Quelle déviation de la tête. Oh oui, la passe en retrait vers Placide. Placide, sans hésiter, qui dégage du pied droit. Johnny Placide, le portier vétéran de l'équipe haïtienne, le portier expérimenté, l'ancien portier d'un avant-guingue en France. La passe à gauche en direction de Luis Copete. Luis Copete, la passe de Luis Copete vers Jaime Moreno. Moreno, la balle pour qui? Favorable toujours pour les coéquipiers de Jaime Moreno. Attention, l'équipe nicaraguayenne contrôle la balle en territoire de l'équipe haïtienne. La passe latérale vers Josué Quijano. Josué Quijano, attention, et quel but de Josué Quijano. La passe dans la boîte, ballon repoussé par Meschak Jérôme. Donc yon défense de fer que nous gagnons dans ce moment là, puisque nous ne pourrons jamais quitter, nous ne pourrons jamais nous problème vraiment dans match aussi là, malgré nous la caillou. La passe dans la boîte, ballon capté par le portier Johnny Placide qui capte la balle, donc sans difficulté, et qui a fait couler quelques secondes avant que lui relance Steven. Dans deux minutes, nous avons terminé la première mi-temps. Oui, alors c'est l'arbitre central qui a connu. Si c'est dans deux minutes, la campagne. Oui, ça négligeait le temps supplémentaire. Temps réglementaire, première période, là, lui-même, il a fini. Sans doute. Nous profiter pour nous saluer le directeur au niveau de la direction sportive, Jean-Garry Adrien, qui lui-même, depuis Carrefour, lui a poursuivi un match de football ça et lui dit nous que lui apprécié et travaille et que téléspectateurs eux-mêmes, ils ont bien servi. Nous n'avons pas de bouquet autour, ils ont profité, fait nous connaître que pour aider à Stadion Mobile, puisque ils ont aimé et suivre un match ça. Et c'est pral, c'est un ballon avec la formation en Nicaragua. Ils ont gagné là sur le côté gauche par Roi
sur bord droit défense formation haïtienne. Nous pas paniquer, nous récupérer ballon. Équipe haïtienne a passé sorti. Mustiva, très bon contrôle réalisé par Sonny Mustiva. Brian Alceus, un bon dépositeur de jeu. Il fait ouverture sur le côté gauche. Alex Christian Junior, il n'est pas du tout pressé. Il recommence à jouer là net sous Johnny Placide. La longue lance de Johnny Placide, puisque Teguion Nicaragouen qui t'a fait pressing là sous lui. C'est défense équipe Nicaragouen qui a récupéré. Nous mettons Kembe ballon, monsieur Nankanou. 2-0 pour Haïti. Ballon pour la formation nicaraguayenne de football. Il a essayé de sortir à partir de la défense centrale. Attention, sous printemps encore. Et joueur haïtien a privé le premier ballon pour me garantir que c'est après le troisième goal. Nicaragua a profité. La PC induit à Bissot Galan en erreur. Il était à terre. Et bien, Joe Fisher qui a dirigé Massa. Il n'a pas pris un an. Donc, et ça que joueur nicaraguayen a tenté de faire le prendre. Comme quoi pour le temps, il a passé un avertissement comme un carton avec et milieu équipe haïtien. Oui, jusqu'à présent, monsieur qui a demandé à l'arbitre central pour que l'État porte un meilleur jugement en faveur de lui. Sous action, ça, Emmanuel Latour, caméraman nous, Hervé Pierre, caméraman nous au niveau de télévision nationale d'Haïti, yo tout, yo ordre absolument. Et également, Steven, tout le monde marché de Saline, mobilisé, yo branché. Et un match qui rend possible grâce avec support le gouvernement haïtien qui fait tout ça possible pour que permettre population en ce match là. Gérald Christophe, sur un salut. Oui, c'est ça, dans un moment côté que nous connaissons comme tension politique dans le pays, et bien donc pour profiter et donc pour y poursuivre match en football ça et entre équipe haïtienne et victoire ça sans doute l'Ipcal mette sous l'Ipcal mette la joie à lui-même si toutefois équipe haïtienne est capable de sortir avec victoire ça donc sous visage et tout haïtien attention ballon balancé dans surface séparation formation nicaragouenne récupéré le jeu en retrait avec Oscar Kiano et qui balance dans la boîte là mais capté et par Johnny Placide. Johnny Placide qui a fait un très bon match jusqu'à présent. Johnny Placide qui a fait couler et quelques secondes. Il n'est pas du tout pressé. Gagné. Et donc Moreno, 210 Nicaraguayen qui a demandé avec Placide de vouloir lancer. Mais ça va pour vous. C'est pour habiter cette calme là. Moreno l'a tenté tout pour le temps. Ouais, est-ce qu'il t'a déconcentré Placide? Là où il lance de Johnny Placide. Il y a un ascenseur qui fait là. Habite cette calme pas dit. Équipe Nicaraguayen récupère le ballon. Il y a gagné la partie de Chania cette calme paioa. Qui a nos gains sur côté droit là. Le Pakembel. Il balance le nom. Intervention. Alcé, c'est pas bon. Il t'a pas tenté jouer. Ballon avec un joueur Nicaraguayen. Mais heureusement, t'es gagné en jeu. Heureusement pour nous, t'es gagné en jeu puisque Alex Christian Junior était en difficulté dans l'action. Ça, et c'est pour qu'on relance pour la sélection haïtienne de football. Je quitte pour Johnny Placide. Johnny Placide hors de ses bases qui peut relancer toute équipe haïtienne dans montée à l'amasser dans camp équipe nicaraguayenne. On dit qu'il y a un curaceau qui lui-même c'est demain et que l'a joué match par là dans la 4e journée. Et Fondi Haïti pas chômé pendant la fenêtre internationale là, pendant trêve FIFA, puisque et le vin n'a bien pour jouer un amical contre le Salvador. Attention là! Défense bonne intervention. Nos dégagements par bon Mustiva. Le danger persiste. Voilà. Placide. Très bonne sortie. Oui. Johnny Placide est arrivé à temps. Il a capté le ballon. C'est pour gagner en relance pour la sélection haïtienne de football. Par contre, sur la première Miguel, depuis 5 premières minutes, nous te dit défense Nicaragua n'a pas de jouet. Oui. Il n'a pas joué le football vraiment. Il n'a pas de match, c'est nous pour profiter. Et ouais, là, si nous te voulons profiter, alors. Et au moins, il faut qu'on termine pour imiter à 3-0. Nous sommes capables. Nous avons gagné possibilité, nous avons moyen pour ça. Nous avons joué une opportunité pour nous marquer même 3 goals. Oui. Mais nous sommes capables toujours d'être satisfaits avec 2A en espérant que. Tout en espérant que dans la deuxième période là, si nous pas capable encore, nous sommes capables de préserver deux goals. Oui. Nous pas encaisser tout. C'est ça qui est important. Nous toujours gagner tendance craquer dans fait match. Il faut que nous restions solides, nous restions concentrés jusqu'à coup de sifflet final là. Même si le terrain n'a pas joué pas la caille. Oui, il y a un problème que nous gagnons. C'est dans le début à fait match. Nous toujours craquer. Nous te ouais ça. Dans la première minute match football là, nous te manqué encaisser. Mais heureusement, nous avons bien réagi. Nous pas pris un goal et nous avons marqué deux. Nous avons pratiquement quelques secondes de fin première période là, puisque c'est 4 minutes de débat comme temps additionnel. Dukens là, son jeu de la tête. Attention, contre-attaque à 3 contre 2, à 4 contre 4. Troisième goal peut-être. Et on profite, sortir, et Steven Zidoné, on profite de l'occasion pour saluer d'une façon spéciale le directeur général de la radio-télévision nationale d'Haïti, monsieur Gamal Augustin.
Oui. Salutations à notre DG. Oui. Le temps qui est pratiquement fini, mais habituellement, nous-mêmes, pour qu'on siffle, on passe. Mais il faut un kembe tout pour ne pas encaisser sur l'action. Pour ne pas encaisser dans la dernière seconde qui était là. Mais nous, jeunes ballons, on profite marquer nous-mêmes. Attention, à contre-attaque pour Haïti, on n'y est pas marché. Et c'est la mi-temps, Pierre-Miguel Piaget. Effectivement, mi-temps 2-0 pour l'équipe haïtienne. N'a noté que n'a joué en infériorité numérique depuis que Will Donald Guerrier était pour carton rouge. Moun qui marqué pour nous, c'est Michael Cantave, malheureusement, qui sorti, remplacé par Alex Junior Christian, ak Derrick Junior Etienne. Voilà, amis téléspectateurs, c'est deux moun qui marqué pour nous dans Matila, dans le cadre de la troisième journée Ligue des Nations de la CONCACAF. C'est premier mi-temps qui finit un match qui est patronné par le gouvernement haïtien. Moi-même, Pierre-Miguel Pierre-Gilles et Steven Dieudonné ak Smith Griffon. N'a pas observé pause là, n'a pas tourné dans moins que un quart d'heure pour la deuxième partie. Restez des nôtres. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, nous tournons pour deuxième période rencontre football SILA entre l'équipe de Nicaragua et la sélection nationale de football dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Sachez bien que l'équipe haïtienne mène 2-0 grâce à Michael Cantave, 12e minute de jeu, et Derrick Junior Etienne, 31e minute. N'a noté que n'a joué en infériorité numérique depuis que donc Will Donald Guerrier te prend carton rouge dans match football si là. Nous saluons tout côté qui branchait, tout côté dans le pays, également dans la diaspora. Eh bien, fais-nous signe que y a suivi match football si là sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est le cas de Moun Marché des Salines dans Carrefour Mercius qui branchait nous, Moun Petite Rivière. Également, n'a salué d'une façon spéciale la famille Oxéan, Katia Oxéan, qui a suivi nous dans le moment. Et Steven, en pile monde branché, il y a suivi match football si là sur Télévision Nationale d'Haïti. Y a un match qui rend possible grâce avec le gouvernement, la présidence, pour permettre la population et bien suivre un compte football si là. Nicaragua, Haïti, n'a mené 2-0. Stade ça, nous te connaissons un moment cauchemardesque la donne, puisque nous t'es perdu, nous t'es battu 3-1 la caillou dans le stade Silvio Cato, dans le cadre de tour préliminaire, barrage, disons, Gold Cup 2017 là. Nous t'es battu, voilà, nous t'es battu 3-1 dans le stade Silvio Cato. Nous t'es besoin, donc nous mettons battu 1-0, ça m'a dérangé nous, et nous avons perdu 3-0. Nous avons besoin de 2-0. Oui. Alors que toutes 85e minute de jeu, match a été 0-0. Nous prenons 3 goals dans 5 minutes. Et bien, jeudi à là, nous te dit depuis notre début, nous devons gagner un comportement revanchard. Et bien, c'est ça qui a fait. C'était deux cas de figure, soit revanche pour Haïti ou bien confirmation pour Nicaragua. Est-ce qu'il n'y a pas une pelouse d'assemblée et une humidité? Est-ce que c'est à la pluie qui t'a gagné avant match là? Et n'a pas bien avec ça, il y a un changement côté équipe nicaraguayenne. C'est Jonathan Moncada qui sorti et Bismarck Camociel lui-même qui est entré dans place lui. Et donc c'est déjà un deuxième changement pour l'équipe nicaraguayenne puisque il était dans pour une période là. Juan Baera l'était quitté place lui même l'était sorti. L'équipe haïtienne qui a foulé pelouse dans pour deuxième mi-temps. Brian Alceus qui soutient quand nous là le sort 21. Brian Alceus qui lui-même soutient quand nous là qui a joué dans mi-temps terrain équipe haïtienne qui a joué un très bon match. Lui fait en pile récupération. Quand tu vois la mi-temps, possession de balle là, c'est 63% pour Nicaragua contre 37% pour Haïti. Ou capable de dire, Nicaragua a dominé Haïti, 63% contre 37, mais pas oublier, n'a pas joué en infériorité numérique depuis la 15e minute de jeu. Et donc, depuis lors, Haïti était obligé de replier, quitter l'initiative de jouer de la formation nicaraguayenne, et puis opérer par contre-attaque. C'est donc, bien. Des fois, ou capable de dire que, et donc, statistique là, ou encore possession ballon, il n'est pas reflété physionomie match là. Et c'est normal. C'est bien, équipe haïtienne, non, nous choisit défendre. Pour nous contre-attaquer, qui peut être fruit, puisque deuxième goal là, c'est sur un contre-attaque. C'est vrai, Nicaragua a gagné pourcentage en termes de possession de balle à 63%, mais il n'est pas déjà montré le danger vraiment dans le match là, puisque toute action, occasion goal, c'est nous créer. Oui, deuxième mi-temps qui l'a gagné Pierre-Miguel Pierre-Gilles, c'est Ayadis qui lui-même remplacé et qui remplace dans le match ça, Jonathan Moncada. C'est une relance pour la formation nicaraguayenne de football. Long passe sur le côté gauche, le patard de bon, défense haïtienne récupéré au jeu de la tête avec Arcus Callens. Ballon en pour la formation haïtienne. Mustivar en position en délié droit, mais il perd du contrôle ballon. Deux mounts arrivés sous lui. Ballon avec Justo Llorente. Justo Llorente, il pas qu'un bel trop, il joue dans Chania Central là, il joue dans axe défense là. Il y a sorti à droite avec Rousseau, avec José Pardon Quinto. La déviation de la tête, danger pour nous, danger pour nous.
nous la sortie in extremis de Johnny Placide, la sortie exacte de Johnny Placide qui lui-même capte ballon ça et c'est pour une relance pour la formation haïtienne de football. Première minute dans deuxième mi-temps, score là c'est 2-0 pour Haïti en terre nicaraguayenne après deux victoires contre d'abord Saint-Martin et Néerlandais 13-0 dans le stade Sylvio Kator et c'était dans le match ça du Kingston qui a marqué 5 goals. Réalisateur permet nous ouais on l'autre fois action tout à l'heure côté que Johnny Placide t'a fait une sortie à temps pour que l'ité et donc un éclaté danger à conjurer lui. Attention, il y a danger pour Nicaragua, nous capable de gommer défense en formation Nicaragua privé sortie. Et puis 5-0, nous te battons dans le match aller. Alors notre première journée, entre temps, nous récupérons le ballon, nous capable de marquer un troisième goal. Une tape bon pour nous, nous sommes. Non, mais c'est la dipagne, bon joueur haïtien qui allait atteindre sous la séparation. L'équipe Nicaragua a fait des sorties en intervention avec Alex Christian Junior. Ballon qui allait en touche, mais c'est un avantage. Équipe locale là, remise en jeu avec Quinto, mais qui mettait le jouet. Dribble du joueur nicaraguayen. Et il y a une faute. Faute côté haïtien. L'équipe locale là, lui-même, lui. Et juste au toit, il faut t'appagner quand on. Joyeux Esteban Dieudonné pour éviter de faire faute stupide dans le match là. Ah oui, bien puisque c'est important. Oui, il a pris en infériorité numérique. Perdu, il y a l'autre monde pas bon pour nous du tout. Il a mené 2 goals à 0. Oui. Jusqu'après ça, nous n'avons pas trop de pression. Et puis Nicaragua, nous avons battu pour être à disposition pour une deuxième période là. Attention, dégagement de Ricardo Adé. Ricardo Adé qui a joué dans la deuxième division en pays Chili. Lui-même, pas jamais. Et raté en provocation lorsque le jeune chancelier lui toujours venu, lui toujours répond à l'appel lorsque vous convoquez Ricardo Adé, sauf en cas de blessure. Il y a un ballon pour la sélection. Et Nicaragua dégagé par la défense haïtienne. Ricardo Adé n'a pas fait, c'est ancien joueur Baltimore, Sportif Club, c'est ancien joueur et Don Bosco Pétionville, de même que Meshack Jérôme qui est passé dans l'U.S. C'est Timonian Cour qui est passé dans Baltimore tout. Qui a pour ces deux joueurs sérieux, qui a occupé un type de joueurs qui formait ailleurs garde et défense équipe haïtienne. Yo faute pour Haïti. C'est Pral Yon relance avec son Pral qui place sur l'île médiane. Le dribble avec Kevin La France et puis il est séché au passage. Kevin La France prend l'exécuté faute. Attention La France. Monsieur c'est le sérieux. Habitio, pardonnez-nous monsieur. On nous évite ça. Voilà, avertissement verbal à Kevin La France. C'est Meshack Jérôme qui va exécuter faute là. Meshack Jérôme à la relance. C'est le quatrième ballon. Fait passer l'île. Râler formation nicaraguayenne. Attention, ballon pour Haïti. Un joueur seulement qui a tenté aller pour continuer. Faute obstruction. Et bon coup franc pour Haïti. Un très bon coup franc pour Haïti qui est capable de très dangereux. C'est Kevin La France qui est même tenté de percer. Yo te mette li a terre, c'est un bon manieur de balle Kevin La France. C'est Pral, yo coup franc pour la sélection haïtienne de football. On dit après élimination, sélection amputée dans mondial. Amputée en 8e de finale contre la Pologne. Et bien sûr, la compétition pour sélection nous, c'est sélection haïtienne senior là, qui lui-même a disputé Ligue Nation contre CACAF. Élimination tout pour sélection moins de 20 ans. Non. Qualification pour mondial moins de 20 ans pour l'OI 2019. Malgré nous finir deuxième dans le groupe EA, dans le groupe DA, pardon, pour tirer ballon contre dans Milan, mais il est toujours dans la surface séparation, déviation de la tête. Ballon facile pour Justo Llorente. 5 minutes déjà écoulées dans la deuxième partie. Oui, il est décalé, puis vite toujours. Ballon pour la sélection nicaraguayenne de football. La longue passe n'est pas bon, bien joué, intervention côté Haïti, puis bon, toujours pour nous. Attention, monsieur. Attention, il faut nous rester concentrés. Déviation pas bon. Capable de danger pour nous là. La déviation. Et bien, c'est juste en état de nous. Nous mettons là. Nous faisons le oh, et la frappe finale. La balle passe. Ça pas pour tout rien. La frappe réalisée par le dessin. 18. Ailleurs 10. Ailleurs 10. Pour frapper. Le nouveau venu qui a tiré. Mais c'était pour du beurre. Salutations à notre ami Nelson Destin. Qui a fait nous depuis la France. Moi, Paris, c'est pour, c'est le monde pour, entier branché télévision nationale. Ah oui, il y a une zone sous joie. Il y a demandé PDH à dire aux gens pour là, puisque avant le match a commencé, c'était bien tout. Hein. Et puis, donc, il y a une campagne d'électricité dans la zone sous joie. Tout comme quoi des bouquets, il y a demandé courant.
pour qu'ils soient capables de suivre comment ça a passé pour la sélection nationale en pays. Duke Nation qui part un gros match. Qui part à faire un gros match, Duke Nation qui prend obligé de quitter la place. Et c'est Franzi Pierrot qui a remplacé. Duke Nation, c'est le meilleur buteur en compétition avec 5 réalisations. Juan Baira, qui lui-même c'est joueur Nicaragua, bien Miguel Virgin, c'est 3e meilleur buteur avec 4 goals. Il est exéco avec un joueur Curaçao qui lui-même tout gagné. 4 goals, mais Juan Baira a sorti. Donc, Duke Nation tranquille dans le classement. Voilà. Pour le joueur Nicaragua, on a rappelé, c'est Rangelo Hanga qui lui-même gagné 4 goals tout. On a précisé Steven Dieudonné, le match précédent, c'était contre Sainte-Lucie, c'était Franzi Pierrot avec Derrick Junior Etienne qui était en attaque pour l'équipe haïtienne. Côté nous décampé dans le système de 4-4-2, oui, ballon perdu, récupéré pour l'équipe haïtienne, la passe à droite en direction de Carlin Sarkus, la passe en profondeur, quelle déviation de la tête, rebond favorable, toujours pour l'équipe haïtienne, mais non, cette fois-ci, le Nicaragua récupère la passe à gauche en direction de Jaime Moreno, en face de lui, Carlins qui est obligé de jouer en retrait, la passe en direction de Ayer 10, la passe en retrait, il n'a pas qu'à avancer, il a préféré retourner plus au construit. Bon, oui, 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 n'a pas joué en infériorité numérique. Ou pas qu'à peut-être aller propre, la passe dans l'axe en direction de Luis Galeano balle au pied, la passe en profondeur, danger pour nous, le centre ballon contré, photo au Placide capte le ballon sans problème et Placide qui va le relancer en bon capitaine, Placide d'un jeu rapidement, la ligne en direction de qui, c'est Sonny Mustivar, il s'appelle Mustivar Sonny, la passe en direction de Carlins en plus qui calme le jeu, oui, il avance dans le pied, la passe de Carlins en retrait, en direction de Ricardo Adé, Ricardo qui joue dans l'axe, en direction de Kevin Lafrance qui tourne en rond pour jouer sur le flanc gauche, là où il y a Alex Junior Christian, quelle circulation de balle pour l'équipe haïtienne, oui, c'est vraiment douloureux pour les Nicaraguayens à domicile, qui sont menés 0-2, 2 pour l'équipe haïtienne, grâce à des buts portant la signature de Michael Cantave et Derrick Junior Etienne. Michael Cantave, 12e minute de jeu, Derrick Junior Etienne et 31e minute, attaque, tac à ras de terre pour mettre le ballon touche, tac à ras de terre, intervention payante réalisée par le joueur de l'équipe nicaraguayenne. Oui, c'est un ballon qui sort en touche, c'est bien Franzi Pierrot, à peine entré en jeu, Franzi Pierrot qui fait une touche là, ballon balancé, quelle déviation de la tête, dégagé de la boîte, l'arbitre central, le Canadien Fischer ne dit rien, c'est bien l'équipe nicaraguayenne qui va repartir à l'assaut, lui attaque, la passe en direction de qui, c'est bien Daniel Cadena, en face de Daniel, il y a Méchac très calme, Méchac Cadena, on attend le centre, ça va pour tourner, il y a un ballon qui sortit en corner, voilà, de très bon Méchac d'Abdou Steven, très bonne défense de la part de Méchac Jérôme sur Ayadis, l'empêcher Ayadis de passer jusqu'à ce que lui mette le ballon en corner, lui jouer le ballon sous Ayadis, et bien c'est un très bon marquage, une très bonne défense de la part de Méchac Jérôme Lelien Coutois qui lui-même mettait le ballon ça en corner de la droite vers la gauche pour l'équipe locale. Voilà, corner balancé, dégagement de la tête, la deuxième balle favorable pour le Nicaraguayen, mais la frappe finale, ça ne donne rien. Le ballon est allé au-dessus de la barre transversale. Début gardé par le portier haïtien Placide Johnny. La frappe était du dossard 9, Daniel Cadena. Oui, remise en jeu qui va assurer par le portier Placide. Placide qui fait couler quelques secondes. Placide pour la relance. C'est ce qu'il fait. La balle aérienne. On attend la tête d'un joueur. Oui, la tête en déviation. La tête réalisée par Jaime Moreno pour mettre le ballon en touche. 55e minute de jeu. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez la télévision nationale d'Haïti en ce moment à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF où l'équipe haïtienne mène 2-0 au dépens de l'équipe nicaraguayenne à l'Estadio National de Managua. C'est la capitale Nicaragua que nous de près de 30 000 places. Pour nous porter match football, si là pour vous, Nabzou, clairement, que tu as gagné en pile mesure sécurité qui te prend dans le match football, si là, au niveau sécuritaire, il y a en pile disposition qui prend. Côté gagné 500 policiers qui mobilisés pour sécurité Matila à l'intérieur et au stade là.
et n'a dit que Steven depuis dans aéroport là dispositif sécurité là oui. Commencer côté la police te vient prendre contrôle certainement, sécurité délégation haïtienne on suit tout ça bien Miguel Pierre Gilles pour nous qui ça va le bail si c'est à 3-0 c'est à bon pour nous attention mais finalement dégagé par la défense nicaraguayenne dégagement totalement écarté puisque c'est au gain ballon il a contre-attaqué sous nous sourivé à temps bon pour nous c'est très bien joué de la part de Ricardo Adé c'est ça sourivé à temps bon pour nous l'on rivé net Kevin, et jeu ballon Kevin, pas grand jeu et ballon pour l'équipe haïtienne avec Derrick Etienne Junior il fixe vis-à-vis et la frappe de Derrick Etienne Junior ballon contré est-ce que l'absence en touche non récupéré par la formation du Nicaragua l'équipe centra-américaine ballon cap contrôlé et par Ayadis tenté passé et la faute à ce qu'il paraît jouer à ta fait un geste anti-jeu mais l'arbitre a tranché profit est-ce que gagne méchanceté dans l'intervention Jean Nicaragua hein, nous... Oh là, assistant qui tout préal supposé ouais. Là nous pas pardonné assistant, arbitre de touche dans Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Oui. C'est sous yeux lié tout près lié action ça a passé. Gagné 203 Nicaraguayen qui a recevoir Rosas qui a recevoir et soin, il était touché au niveau de cuisse gauche lié. Manuel Rosas qui était hérité de Brassard capitaine depuis sortie Juan Barrera. Oui. Qui t'a parlé très décevant. Oui, Juan Barrera. Oui, alors ce que vous rappelez, c'était le véritable bourreau, nous, dans le barrage Gold Cup 2017. Là. Oui, c'est un moment qui laissait beaucoup de souvenirs indélébiles, des souvenirs ineffaçables, inoubliables. Et oui. Pas qu'à oublier moment ça. Le staff technique haïtien, Makola, Sébastien Guia Lopez, qui c'est préparateur physique, équipe haïtienne. Non. Makola, très pensif. Makola qui a réfléchi. À l'écran, mesdames, messieurs, vous regardez Sonny Mustivar. Il s'appelle Mustivar Sonny. Oui, bien, 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 je n'ai pas l'état de l'arbitrage. Oui, une tape de soit action tout à l'heure. Joueur Nicaraguayen, lui, fait une intervention qui vient pile méchanceté là-dedans, lui, marché sous pied. Et Marcus Callens, plutôt Alex Christian Junior, nous parlons, ouais, comme déposer pied à l'arbitre central, la well, arbitre assistant, well. Ok, nous rappelons-nous dans le Gold Cup 2015, là. Par contre, sous songer. Les Gold Cup 2011 là, non, pas Honduras, El Salvador. Oui, c'était Zelaya. Alberto Zelaya. Son geste a été arrivé, non. Je la Kembe, défenseur haïtien, et puis il y a faute contre nous, pénalty, Haïti perd 1-0, Haïti éliminé. Oui, Jean-Capdil, depuis au début, nous toujours victimes. Victimes. Très souvent victimes de mauvais jugement. D'arbitrage maison. Oui, oui. Parfois, c'est comme des arbitrages médiocres qui parlent à la hauteur du tout. Du tout. Oui, mais aujourd'hui. Nous sur la bonne voie, n'a mené 2-0. Sachez bien, mesdames, messieurs. Attention, Franzi Pierrot, la passe de Franzi vers Kevin. Oui, l'équipe haïtienne toujours en possession de la balle. Ouverture à gauche vers qui? C'est Alex et Junior Christian qui joue en profondeur. Ça circule bien côté haïtien. Oh là là, quelle action technique. Oui, c'était la France. Geste parfait de Kevin La France. Oui, La France. Kevin La France. Passe avec Meshack Jérôme. Contre-attaque côté Nicaragua. Le jouer sous côté gauche par Oas, il passait capable de danger pour nous, mais heureusement, Moreno pas arrivé à temps, c'était plutôt Daniel Cadena, le 207. Là, c'était 216, là, Francisco Flores qui t'a tenté de jouer. Quelqu'un relance avec Placide. Attention là, Johnny Placide. Attention là, Johnny Placide. Attention là là. Oui. Le coup de tête avec Sonny Mustivar. Je jouais. De façon intelligente, ballon pour Justo Llorente. Relance manuel de Justo Llorente. Ballon sous côté droite, équipe nicaraguayenne. Tadoué bon Haïtien privé pour récupérer le ballon. Ça. Et oui, c'est chose faite pour Haïti. Et Kevin La France, ouverte sur le côté gauche. Derrick Etienne Junior, très bonne conservation de balle. Derrick Etienne Junior, bon contrôle réalisé par le joueur haïtien, mais en très mauvaise passe. Ballon qui allait en touche. C'était Brian Alceus, oui Pierre-Miguel. On profite de l'occasion pour saluer notre collaboratrice Sophonie Lui, dit La Rebelle. La Rebelle d'Arbel. Marie Sophonie Lui, alias La Rebelle. Oui, de la Radio Nationale. Qui lui-même a suivi nous là. Alors Pierre-Miguel, nous tantôt a cité quelques téléspectateurs qui branchaient. Pour nous dire, c'est surtout pour montrer
affinité, attachement qui est gagné avec sélection nationale là. Oui, pour oui. montrer que eux même tout malgré au pas qu'à faire déplacement pour aller en terre nicaraguayenne pour aller pas présence ou supporter, mais malgré que c'est Haïti mais yo a supporté à fond équipe haïtienne et surtout le gouvernement haïtien qui fait tout ça possible pour permettre que nous porter match football là pour pays là pour population haïtienne là depuis donc capitale Nicaragua Managua. C'est à Managua les téléspectateurs que nous y pour nous porter match football et là pas qu'à passer l'autre côté, c'est sur télévision l'État. Oui, télévision c'est d'Haïti. Télévision l'État, donc l'État fait ça pour le faire lui permettre que population haïtienne là, que ce soit pas bon ici, que ce soit dans la diaspora, ils sont capables de vivre et donc un match de football ça sans manquer une seconde. Et surtout, il y a un peu de monde qui dit qu'il y a sur nous sur la plateforme télévision, sur les réseaux sociaux, via la télévision nationale d'Haïti. Oui, oui, puisque nous connaissons une application Radio-Télévision Nationale d'Haïti qui est disponible sur Google Play Store. Et bien, donc, Mounio, il a montré que non seulement il est attaché avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti et ensuite Sélection Nationale, là, puisque il est bel et bien branché. Compétition qui a joué la Ligue des Nations, c'est dans la zone CONCACAF là. Il n'a pas gagné la Ligue des Nations tout pour Europe. Ça, c'est pour CONCACAF là. Eh bien, elle a dans cette troisième journée qui a joué là. Équipe haïtienne en déplacement en terre nicaraguayenne. Si vous avez branché, Nicaragua évolue en blanc. C'est eux-mêmes qui gagnent le ballon là. Haïti a évolué en bleu. Score lancé 0-2. 0 pour Nicaragua, 2 pour Haïti. C'est Haïti même qui a mené, pas étonné. C'est pays d'Haïti qui a mené, c'est sélection haïtienne là, qui a mené 2-0 contre la sélection nicaraguayenne de football. Qui ça 2 goals ça fait pour nous Pierre Miguel attention 2 goals ça permet nous monter plus haut dans classement nous te gain 6 points dans deux Curaçao lui même tout te gain 6 points mais gain meilleur différence goal par rapport avec nous plus 15 pour Curaçao plus 14 pour Haïti et bien nous passer à 9 points provisoirement nous en tête en attendant que Curaçao lui joue troisième match là demain voilà allez les Grenadiers puisque le nouvel Grenadier à la plus bon pour nous voilà nous besoin goal toujours c'est un corner de gauche vers la droite pour l'équipe nicaraguayenne, ballon balancé, danger pour l'équipe haïtienne. Quelle sortie réalisée par Johnny Placide qui mettait tout le monde d'accord. Il mettait tout le monde ok. Johnny Placide qui se prépare à relancer pour l'équipe nationale de football. L'équipe haïtienne dirigée par Makola. Quelle relance du pied droit. La balle aérienne, la déviation de la tête réalisée par Manuel Rosas. La deuxième balle héritée toujours par l'équipe nicaraguayenne sur le flanc droit. Par Josué Quijano, la passe en profondeur en direction de Ayer 10, oui, mais bon retour réalisé par Karlens Arcus pour l'équipe haïtienne de football. La passe en profondeur, l'équipe haïtienne va repartir, madame, monsieur, donc à l'attaque. La passe en profondeur à la recherche de Franzi Piero, mais mauvaise passe. C'est la 63e minute de jeu, bientôt la 64e minute. Haïti a mené 2-0. Et c'est Michael Cantave à la 12e minute de jeu qui était Louis Collin. Et puis il t'appelle hérité par Derrick Junior Etienne à la 31e minute qui t'appelle marqué deuxième goal. L'équipe nationale là n'a pas noté pendant que n'a mené 2-0. N'a pas joué en infériorité numérique. N'a pas joué en infériorité numérique depuis que Will Donald Guerrier t'appelle écopé un carton rouge dans le match de football. Si là et là, Marco là t'appelle fait un autre calcul. Côté le tapral sacrifié pour le buteur match là, Michael Cantar pour le retirer, pour le rentrer avec Alex Junior Christian qui a gardé couloir gauche là dans le moment. La passe profondeur, déviation de la tête réalisée par Ricardo Adé. La deuxième balle pour la France. La France qui joue en profondeur. Est-ce qu'il y a faute? Effectivement, il y a faute au dépens de Franzi Piero, l'attaquant de la sélection nationale de football. Franzi Piero Estivienne qui a joué un très bon match dans le stade Philo 14. Oui, l'occasion oui. Premier match, disons premier match, première journée, Ligue des Nations, le stade bat ce matin et rendait 13-0. 13-0 et Franzi Piero il était marqué 2 goals pour l'équipe haïtienne. Non. Changement tactique. Changement technique d'abord, il fait sortir Duke Nazon, il monte à Franzi Piero, mais tactique tout puisque là, Duke Nazon, il pas de grande taille par rapport avec défenseur équipe nicaraguayenne et tout, Duke Nazon, il pas en grande forme. Eh bien, il fait entrer Franzi Piero lui-même qui de haute taille, qui est capable de gagner et duel lui au niveau duel lui dans les airs par rapport avec relance puisque n'a pas rappelé que n'a besoin d'infériorité numérique, nous quitter Nicaragua gain ballon et nous-mêmes avons opéré par des comptes. Et bien lorsque nous avons ballon, nous besoin de monde devant qui va faire point de crash là. Relancer sous lui, lui-même lui fait rebond
pour qu'elle capable permettre que soit Derrick Etienne Junior, soit Sonny Mustiva, l'y jouer et dans une zone ça, lorsque nous arrivons dans cette situation ça, pour qu'elle capable arriver dans le camp, formation Nicaragua beaucoup plus rapide. Attention, Dukenton, attention, pardon, et Johnny Placide. Avec le feu. Johnny Placide, n'a pas parlé, monsieur, longtemps, Miguel. Danger pour nous. C'est pas encore danger fini. Pour nous. Très bonne intervention de Ricardo Adé. Très bien. Intervention. Donc, 10 sur 10 de Ricardo Adé. Johnny Placide avec le feu. Oui. Oui, la joue avec du feu dans le moment. Attaque pour l'équipe haïtienne. Donc, mes réponses. La passe, troisième goal peut-être. Oh, dans les bras du portier. Busto Lorente. Mesdames, messieurs, qui Busto Lorente. Oui. Oui. C'est toujours 2-0 pour l'équipe haïtienne de football. Donc, il y a un ballon qui est contrôlé rapidement par Manuel Rosas. La passe sur le flanc droit en direction de Josué Quijano. Josué Quijano qui joue dans l'axe. La passe en profondeur. Oui, mais ballon capté facilement par le portier. Est-ce qu'il va saisir? Oui, non, pas saisir, mais oui. Et puis Ayer 10 et puis et gagner l'autre joueur haïtien certainement mais chaque Jérôme et qui vient participer tout gardien tous deux équipes yo non il va le suivre pour moi qui ça habite qu'elle a dit puisque 206 nicaraguayen et lui même tout à l'heure là il t'a fait dépousser parle de Luis Copete nous va voir qui ça va dire Luis Fernando Copete t'as gagné carton voilà c'est très bon jugement gagné carton très bon jugement on dit mais 206 là lui poussé. Il frappait à plusieurs reprises, mais ça dit, oui, mais tout à l'heure, t'es ouais, ça donne à l'idée de faire des points carton. Et il expulsait le carton direct, c'est ça, me là. L'on dans la situation, il n'y a pas pardonné. Arbitrage n'a pas en faveur Haïti. Nous, habitués victimes de ça. Principe de l'avantage, c'est la frappe à l'encontre, c'est pas encore fini. Rebond favorable pour l'équipe haïtienne. Avec qui? C'est bien Sonny Mustiva qui joue en retrait. Crise de la bicentrale. Qui s'habite là? Est-ce que le bail couffre un avantage Haïti? Kevin La France. Oui. Kevin La France qui a préclamé un carton pour le 209 Nicaraguayen Aimé Moreno. Oui. C'est toujours 2-0. 69e minute de jeu. C'est sous télévision nationale d'Haïti qui y est. Matisse a rentré la caillou grâce avec le support du gouvernement haïtien qui permet que WAP vive Mac Football c'est là. Côté nous présent depuis le stade national. Oui, carton jaune, la France averti, reprimandé. Kevin La France, oui, voilà. La France également, bon joueur, Nicaraguayen. Aimé Moreno. L'armée également tout. Oui, c'est ça, vous besoin, vous-même. C'est ça, vous besoin. La provoquer. C'est vous-même qui pouvez faire preuve de sang-froid, oui. Faire preuve de sagesse ou bien de calme, capable de dire, qui a des skébés, sérénité. Pas entrer, pas quitter, ou prendre nous dans la provocation. C'est hein. Daniel Cadena qui blâmé. Daniel Cadena reprimandé. Par la petite Pierre Miguel Pierre Gilles lors de et situation t'ai parlé tout à l'heure que t'es victime dans quelque place c'était en 2013 et match Haïti Salvador et bien et laissa nous songe penalty avec Alberto Zilaya et bien c'était en 2013 et c'est confrère nous Lutherson Léon de foot collé qui portait précision ça pour nous foot collé fait un signe que lui même libre chez radio et télévision nationale d'Haïti dans moment. Et donc c'est nous-mêmes que la suivre c'est avec nous que la suivre ça et l'hypothèse précision ça que c'était en 2013 ça t'est passé et non match ça et bien c'est tout ça pour nous être capable de montrer qui ça nous habitué victime lors de arbitrage maison et nous toujours victime de eux et bien là encore une fois nous ouais et nous pas trop satisfaits de arbitrage Drew Fisher qui c'est un Canadien. Donc, coup franc pour la sélection haïtienne de football. Gagné le 116 Flores qui quitte place li.
Et c'est Francisco Flores qui est remplacé par Acuña. Oui, le 214 Acuña. Oui, et Cadena également qui prend carton jaune dans le match de football. Je vous le dis déjà, Daniel Cadena. Daniel Cadena, entrée, disons, qui avertit là. C'est un coup franc. Nous, à 20 minutes chaque, de la fin, chaque, sans négliger les temps supplémentaires. Mais chaque Jérôme t'es calé en force là. Oui. L'impression c'est dit sous ballon. Oui, mais chaque Jérôme a dit en force. Oh là là. Oui, mais chaque Jérôme, pas de danger. Quelques secondes pour aller couler, aller replacer et l'équipe là pour retourner prendre place lui. Mais chaque Jérôme qui prend place lui au niveau de défense. On attendait que descende, et chaque monde a guetté reprendre place. Voilà, c'est Quintero qui est ballon 1. Quintero joue en retrait vert. Et mesdames, messieurs, Manuel Rosas, et pour Acuña, le nouveau venu, la passe latérale en direction de Luis Copete qui joue en profondeur. Quelle déviation, la passe en avant, mais bon retour réalisé par le défenseur haïtien. Mais chaque Jérôme, ballon perdu, oui, la faute, l'arbitre central, le Canadien, Drew Fisher. Donc, mesdames, messieurs, octroie un coup franc. Donc au profit de la sélection nationale de football qui mène 2-0, 2-0 souple en déplacement à l'Estadio National de Managua du côté de Nicaragua dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Oui, nous à 9 points momentanément, 3 victoires en autant de matchs. La déviation de la tête, oui, ballon a dit que bien faute d'avantage Nicaragua. Nicaragua qui est 127e mondial Nicaragua et qui est 13e dans le classement CONCACAF. Nicaragua. Entre temps, Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Espagnol Yopale. La passe en retrait. Danger. La frappe. Ballon capté facilement par le portier. Justo Lorente. Lorente qui relance de la main. Relance manuelle réalisée par Lorente. Et sur le flanc droit vert. Et Josué Quijano. La passe axiale. Mais il y a faute au départ du joueur nicaraguayen. Estime l'arbitre central, Monsieur Fischer, la passe sur le flanc droit, vers qui Oscar Lopez, la frappe, et donc le retour de Oscar Lopez, capté par le portier haïtien, Johnny Placide qui capte la balle. Salutations également à notre ami Pierrot au niveau de la télévision nationale d'Haïti. Pierre Richard Saint-Paul. Oui, Pierre Richard Saint-Paul dit Pierrot. Oui, le Pierrot de la TNH, le Pierrot national. Entre temps, l'arbitre central en conversation avec le dossard 10 de l'équipe nicaraguayenne, Luis Galeano, c'est un coup franc pour l'équipe nationale. Sur le ballon, c'est bien Kevin Lafrance, Kevin qui laisse le ballon pour son compère, Ricardo Adé. La passe de Ricardo en direction de Sonny Mustivar. Que va-t-il faire? On attend le centre. Oui, ballon pas sorti. Intervention rapidement de Justo Lorente et qui dégage rapidement de la main en jouant sur Luis Galeano, la passe de Luis Galeano en direction de Josué Quijano, petite passe de Quijano en direction de Oscar Lopez qui retourne le ballon vers Guiano, la passe axiale pour l'instant vers Ayer 10 qui tourne sur lui-même en jouant, non, il conserve le ballon. Que va-t-il faire? La passe de Ayer 10 vers ce compère Manuel Rosas, ça pour Luis Copete. Ça se joue entre les Nicaraguayens. La passe en profondeur. Donc, ballon dévié. Lui sorti en touche. Grande touche rapidement par Acuña. La passe de Acuña en direction de Ayer 10. Contrée de jeu en profondeur. Ayer 10 repasse le ballon vert. Acuña. Ça se joue entre les joueurs nicaraguayens, les joueurs locaux. La passe en retrait. Et vers qui? Manuel Rosas. Quelle déviation de Manuel en direction de Acuña. La passe dans la boîte. Quelle déviation. Mais la tête pour mettre le ballon corner. Donc corner pour l'équipe nicaraguayenne de football, mesdames, messieurs. 75e minute de jeu. 0 pour Nicaragua. 2 pour l'équipe haïtienne. Grâce à des buts réalisés par Michael Cantave à la 12e minute de jeu. Ensuite, Derrick Junior Etienne à la 31e minute en première partie. Ballon balancé, mais yon coup franc qui pas porté en rien. N'a noté que n'a joué en infériorité numérique depuis que Will Donald Guerrier fin sorti dans le match de la Ligue pour le carton rouge. Mais c'est le troisième match dans la Ligue des Nations que nous portons pour vous. Donc, nous sommes présents. Donc, dans le stade Silvio 14, dans la première journée, les Santé battent Saint-Martin et 13-0. Et dans le deuxième match là, à Martinique,
nous te battre cette Lucie 2-0, disons c'était 2-1, et puis là on a mené 2-0 sur Nicaragua, donc du côté de Managua, et dans la quatrième journée, nous dans le stade Silvio Cator, c'est prêt pour 29 mars 2019, donc contre l'équipe cubaine Haïti-Cuba, 29 mars 2019, dans le stade Silvio Cator. Appel de balle sur le flanc droit, réalisé par et donc Ayer 10 en direction de Oscar Lopez. Que va-t-il faire? La frappe peut-être. Oh là là! Il y a un manqué pour nous, mais il y a un ballon qui passait à côté. Il n'est pas passé trop loin. C'est Luis Galeano qui tirait. Mais heureusement pour nous, le ballon qui est passé à côté. Changement, Zachary Erivo pour le rentrer. Pour l'équipe haïtienne de football, le 208, Zachary Erivo, du coup, à le remplacer, Sonny Moustiva, nous faisons un match là, premièrement nous t'es retiré, et Michael Cantave pour nous rentrer avec Alex Junior Christian, c'est un changement forcé, puisque nous avons joué en infériorité numérique, et puis Kouniala, c'est un changement contre la volonté du sélectionneur, oui. C'est bien, mesdames, messieurs, Sonny Moustiva qui sort. Il est remplacé par Zachary Erivo, le dossard 8 de l'équipe nationale. Quelle relance de Johnny Placide. 77e minute de jeu. Oui, Zachary, premier ballon à toucher. Zachary Erivo. Zachary suit et suivez de près par Monsieur Lopez. Que va-t-il faire? Une intervention pour mettre le ballon en touche. Intervention réalisée par Oscar Lopez. Donc c'est pour Lyon rentrer touche qui va le faire rapidement. Joueur football à capmenté pour Joyo. Massé de préférence. Dans surface de réparation. Équipe Nicaragua. Ballon balancé. Quelle déviation. Rebond favorable pour l'équipe locale. Quelle déviation. C'est Ricardo Adé qui contrôle. La passe de Ricardo vers Kevin. Kevin Ricardo. Le centre de Ricardo. Ballon pour aller en connaît. Oui, il saute sinon. Joueur football là qui joue en talonnade. En direction de Luis Galeano. Il pacte le sauti. La 78e minute de jeu. Si vous à peine rejoignez nous, Haïti a mené 2-0. N'a pas joué. Donc avec couleur bleu et blanc. Alors que Nicaragua, tout de blanc vertu. Non, le coup de football si là. Ballon capté par le portier. Justo Lorente. Et qui relance en direction de Luis Copete. Copete, Copete, Copete toujours. Copete dans le pied. Copete. La passe en profondeur de Copete. À la recherche de Daniel Cadena. Daniel Cadena. Mais il était hors jeu. C'est ça que habite Central là. Et Dina, notez que c'est un quatuor canadien qui a mené ma football si là. Habite Central lancé. Et Drew Fisher, assisté par Daniel Bello, Richard Gamache, David Ganta. C'est quatre Canadiens qui a dirigé le match de football. Nicaragua, Haïti, un match qui a déroulé dans le stade national de Managua. Un stade qui a une capacité de 20 000 places. Oui, d'ailleurs, pelouse, c'est une pelouse synthétique, une nouvelle pelouse que vous mettez dans le stade. Ballon qui dégage, touche pour nous. 79e minute de jeu, le 213 à l'écran, Jaime Moreno. Le match qui rentrait la CAO grâce avec support gouvernement qui permet que nous présents pour nous porter pour nous, rencontre football si là pour nous, puisque les affaires Haïti, c'est les affaires tout haïtien qui vivent en Haïti et dans la diaspora. Nous saluons tout le monde qui est avec nous, quel que soit côté sur la terre. Nous disons merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Oui, ballon contrôlé par qui? Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y a faute au départ de qui? C'est bien Zachary Erivo qui a été descendu. 79 minutes de jeu, non le bail coufran. L'avantage Nicaragua. Nicaragua qui a coulé dans le moment la Kaili. Côté gain, pile monde qui est présent dans le stade national Managua. Mais ça va empêcher qu'il prenne deux goals. Et si vous n'avez pas toujours dans le goal. Attention, la passe. Oui, la passe en retrait, ballon perdu. L'équipe haïtienne contrôle la balle. Zachary Erivo, il est dépossédé du ballon. Entre temps, ballon perdu. Oh là là, mais bon retour. C'est bien dans cette position. Rosas Manuel qui essaie de dégager le ballon. Entre temps, Fandi Pierrot, Fandi Pierrot, Fandi, Fandi. Mais Abid a dit qu'il y a une faute. Non, c'est touche que le bail. L'avantage, équipe national Nicaragua qui 0 et Steven Dieudonné alors que nous avons mené 2-0 sur eux. Oui, nous avons 10 minutes de fin de temps réglementaire. Un match en football, ça Haïti 2, Nicaragua 0 en déplacement. Attention, goalkeeper, si vous arrivez à temps, vous regrettez ça pour prendre un goal.
Heureusement pour Nicaragua, dommage pour nous. Et goalkeeper nicaraguayen, Justo Llorente, arrivé à temps, le dégager sous corps, joueur haïtien. Et Franzi Pierrot, ballon allé en touche, avantage, formation centre-américaine Nicaragua. Ballon balancé, et il joué sous côté droit de Paiwa. Et avec, dans la position ça, José et Quinto, qui prolongeait dans le couloir droit, qu'est-ce qu'a privé sous lui? Nous supposons présent dans Macajo, il passe en retrait. Et déviation, attention, Santan emprunte pour le vini, on mettait le paquet quand même, c'est très bien joué de la part d'Alex, pardon, de Arcus Callens. C'est pour Lyon Koufran pour Haïti, faute commise par Daniel Cadena au dépens de Callens Arcus. Et c'est pour Lyon relance un avantage Haïti, Johnny Placide pas du tout pressé. Faut nous dire, prochain match Haïti, c'est pour un match amical d'abord contre El Salvador, match qui a joué. Et mardi 20 novembre, c'est à El Salvador. Et puis dans la Ligue des Nations, nous prenons le gain pour nous jouer. Et 24 mars contre Nicaragua. P.I., merci P.I. en aller. Franzi Pierrot, 4-0, 3-0. Pour qui est-ce qu'il fait ce ballon? Dommage pour nous. Mais je vais taboulater à Meni. Mais levez le bagarre. Meni. Intervention avec Ricardo Adé, ballon qui allait en touche. Attention, bon retour de Callens Arcus. Ballon pour l'équipe nicaraguayenne. Attention, pas quitter le centre. Centre contre, c'est très bien joué. Bon placement en deux. Ricardo Adé qui est obligé de venir faire couverture là, puisque Arcus Callens n'a pas de place là. Ricardo Adé qui prend en charge Daniel Cadena. Il y a un autre ballon souterrain. Est-ce que c'est corner? Non, c'est en touche. Il joue sous Cadena. Cadena, liquide pour Flores. Attention, il y a PC conservé. Passe en retrait. Équipe haïtienne qui a peur. Essaye d'empêcher de jouer. Et pas quitter au rivet dans le canon. Mais non, changement de côté, ça n'est pas bon. Ballon prêt trop de temps. L'air pour que son Nicaragua ait joué. Il y a un passe en retrait. C'est très bien joué. Bonne intervention côté Haïti. La longue passe. Oui, mais d'accord. D'accord, l'un des ballons, hein, nous relancer sous Franzi Pierrot. Mais faut nous faire la précision. Oui, d'accord. Bah, d'accord pour tout nous n'est pas l'aller. Hein? Bien, Miguel, bien, bien. Souvent que de l'arbitre de colle ne colle pas. Certainement. Attention. Si Nicaragua m'a fait parvenir, il a pris l'autre goal. Bon haïtien qui était à terre. Bonjour haïtien qui était à terre. Est-ce Brian Alcéus ou encore. Non, c'est pas Ricardo Adé, puisque Ricardo Adé a approché de Brian Alcéus. Henri Dualte, entraîneur équipe nicaraguayenne qui disparaît de l'écran. Sent-il déçu dans ce moment-là? Oui. Henri Dualte et Fonzi Nicaragua lui-même l'a bien pour jouer le prochain match. Il y a et Marc Cola, le technicien français Marc Cola qui est à l'écran. Et là, c'est l'équipe haïtienne. Mais je vais profiter tout pour désaltérer. Oui, nous-mêmes, on a profité. Pendant un temps, moi là. Oui. Profiter de Steven que le prochain match, nous, c'est pas. Constant Sibio 14. Oui, le 24 mars. Oui, dans la Ligue des Nations, oui. C'est pas le contre Cuba. Et pour Nicaragua lui-même, il a bien pour jouer contre Bermude. Match ça fait même non, même joueur, 24 mars. En réalité, tu as profité pour passer quelques consignes à Poulin Lio. Nicaragua est studié que nous devons. Nous sommes 27e mondial. Nous sommes 3e mondial. Nous 11e dans le classement CONCACAFLA. Enfin, nous dit Pierre-Miguel Pierre-Gilles et Curaçao, c'est lui qui était premier dans le groupe là, alors dans la Ligue Nation. Et à 6 points lors de avant journée ça, oui. Nous avons meilleur goal différence, mais Curaçao a bien pour jouer demain dimanche là. C'est pour le contre Guadeloupe, Curaçao à domicile. Bon, et Brian Alcéus qui a fait quitter champ de jeu, est-ce qu'il peut être capable de tourner? Naptan pour nous, il a parlé avec ma soeur. Naptan pour nous, est-ce qu'il est capable de retourner? Oui. Et vient défendre Jacques Tafel là, l'équipe haïtienne, non? Oui, Pierre Miguel. Momentanément, nous prenons première place classement. Oui, comment le classement est présenté dans le moment où on a parlé à Pierre-Miguel Pierre-Gilles? Après victoire Jamaïque à Cuba et Haïti, pendant la semaine, nous prenons notre classement avec 9 points, différence plus 16. Et équipe cubaine, c'est l'équipe passée deuxième. Et équipe cubaine, l'équipe passée deuxième à, et lui-même à 9 points tout, mais différence 14. Jamaïque passé 3e, 9 points, différence 11. Et puis Curaçao 4e, 6 points, différence 15. Ça qui est plus intéressant, nous, c'est le classement Haïti. Nous, actuellement, premier après 3 journées, avec 9 points, différence 16. Ballon qui sorti dehors sous protection. Meshack Jérôme, il y a Ayadis qui t'a touché Meshack Jérôme, mais il a pas dit avec un défenseur haïtien qu'il n'a pas fait là. Hein. Donc c'est toujours 2-0 pour Haïti. 2-0 pour l'équipe haïtienne de football.
dans l'occasion troisième journée Ligue des Nations de la CONCACAF là. Mm-hmm. Et Steven, Ligue des Nations de la CONCACAF, c'est qui ça? Bon, Ligue des Nations CONCACAF là, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, une fois, on a rappelé pour les téléspectateurs, c'est une nouvelle compétition qui vient dans le monde là, puisque pas seulement CONCACAF, il y a en Europe tout, et l'autre zone a gagné pour eux même tout intégrer et entrer là-dedans. Eh bien, et pour CONCACAF là, même l'idée, c'est qui ça? C'est supprimer différents matchs amicaux sans importance, sans enjeu, et que nation toujours à jouer, mais surtout permettre à des équipes qui, dans le journée FIFA, qui par contre qui chance jouer, équipe qui pas gagné au niveau économique yo, parmi nous même Haïti, nous avons des difficultés pour nous programmer nous dans match amical yo, lorsque la FIFA lui-même li bay trêve international là, c'était moment c'est des moments pour que nous t'a profiter jouer des matchs amicaux, mais nous pas jamais qui chance faire ça parce que nous pas gagné moyen pour déplacer ou bien pour permettre l'autre nation à déplacer venir jouer avec nous. Et bien compétition ça li vini pour permettre un carton jaune pour Zachary Erivo parce qu'il pas tout à fait là, il était prend ballon, il voyait le ballon l'autre joueur. Avec tout ça, yo pas pardonner nous là, c'est nous qui faire respect nous, yo pas jouer avec nous. Pour aller gros coup franc pour Haïti, nous t'a fini avec les nations hein. Et pour nous dire de compétition ça, li commencé officiellement c'était 13 alors 10 septembre côté équipe haïtienne lui-même l'était fait commencer pour nous 10 septembre côté était fait en large victoire et contre équipe et Saint-Martin néerlandaise là 13-0 numéro ça Wenando à Karl-Heinz Akus là 5 c'est 5 goals du Kinshasa nous t'ai marqué dans stade là et pour équipe haïtienne là et dans match ça nous t'ai gagné par 13-0 Jeff Lui qui prend retraite internationale lui. Jeff Lui qui t'a marqué un goal tout, entré en coup de jeu dans match ça. Jeff Lui qui pas là, il pas présent avec l'équipe haïtienne là, nous dit déjà, il prend retraite internationale, c'est lui même qui t'a prend décision sans forcer. Et bien, il pas là et bien donc Jean Dylan et Wall Junior Charles qui souvent il t'a marqué tout pour équipe haïtienne dans match ça. Deuxième match nous t'ai battre Sainte-Lucie 2-0. Match ça c'est Sainte-Lucie qui t'a de recevoir à cause difficulté Sainte-Lucie et sélection Sainte-Lucie de cricket là. Et bien, yo on est cricket, c'est un sport qui prime dans le pays ça, et bien il était programmé, il n'y a pas qu'à annuler match cricket là, et bien Sainte-Lucie était obligé à le recevoir match ça à Martinique, et bien nous t'es à le battre Sainte-Lucie par 2-1 à Martinique pour une deuxième victoire de rang pour l'équipe haïtienne. Troisième match nous c'est l'INAP joué là contre le Nicaragua après 88 minutes n'a mené par 2-0 tellement t'as remis trois affaires tellement t'as remis, mais c'est pas dans le canon 2-0 pour Haïti, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Le centre, disons, ballon aérien, la sortie de Johnny Placide, sans problème. Placide qui fait couler pour l'instant quelques secondes. On a vite passé et fait passer le message ça avec téléspectateurs pour nous dire tout de suite après le match là, par une adresse à la nation de Premier ministre Jean-Henri Séan. Et puis tout de suite après l'adresse à Premier ministre là, avec nation, hein, c'est pour l'émission en favori, regard croisé sous télévision nationale ici. Très bien. Voilà. Reste programmation chargée. Ils sont télévisions, son programmation chargée. La TNH fidèle à sa mission. Entre temps. C'est bien dégagement de la défense de l'équipe de Nicaragua. Le ballon contré. Est en touche. Entre temps, voilà, Marcola de dos. Regardez Marcola qui passe des ordres à ses élèves. Ça, c'est une grave fois. Il a toujours reproché pour passivité. Marcola, il a toujours été la garder, il n'a pas parlé. Et bien, Marcola très geste, il gesticulait en pile. Il continuait tout au long de match là pour motiver monsieur. Fait travail lui. Voilà. Parce que coaching non, il pas dans l'entraînement. Oui. Entraînement c'est entraîneur, mais coaching non, c'est souterrain en fait. Voilà. C'est dans le match là. 89e minute de jeu, amis téléspectateurs, 2 pour Haïti, 0 pour Nicaragua. C'est troisième journée Ligue des Nations que nous portons pour vous. Ligue des Nations de la CONCACAF bien sûr. N'a mené 2-0. Donc 12e minute de jeu, nous t'es l'ouvre score. Et puis 31e minute et nous t'es marquant deuxième goal par et Derry Junior Etienne. Michael Cantab, Derry Junior Etienne, c'est Demonsao qui marquait pour nous. Attention, coup franc pour l'équipe nicaraguayenne de football. Avec Ayerdi sur la balle, le centre de la boîte, Zachary volé, il dévie ballon 1. Yo coup de tête de Kevin La France, coup de tête raté. Là oui, et quelle feinte pour contrôler la balle. La passe, contrôle de la poitrine, réalisé par qui? Est-ce que c'est Candena? Non, c'était, disons, Daniel Cadena. Mais ballon qui dévie calé en touche. Là, l'est en touche dans quelques secondes. C'est pour le fin 90e minute de jeu. Hein. Et sans compter traditionnel, là, Napton pour nous. Et attention, ballon dégagé. Il y a un ballon qui va sortir en touche. À l'emporte-pièce oui. De Méchac Jérôme. Oui, il y a un ballon qui sortit en touche. 6 minutes. Il y a un petit match.
dans vos matchs. Ça peut, ça peut se comprendre. Oui, nous avons pour ça. Nos petits matchs, nos gros matchs. Mais ça peut être 2-0. Et si les gars ne pas vivre, nos troisième goal capable de venir. Parce que je vais faire la histoire. Le troisième goal dans le biscuit. Nous avons le troisième goal. Voilà, c'est la joie. Puisque nous avons mené 2-0. Ballon repoussé, mon fait dégagement. Il y a un dégagement. Donc, qui pas pour des fuites. La balle aérienne. Mettez-le devant, c'est très bien. Ricardo a détendu le vrai. Il met le ballon devant. Là, le joueur, Franzi Piero. Mais Franzi toujours. Franzi, t'es gagné en jeu. Oh, donc Franzi Piero, toujours. Il prend le pocaton. Il prend le pocaton. Voilà. Bon joueur. Qui est vraiment dur avec nous. Oh là là. Il y a deux ballons sous terre. Oui. Derrick Etienne Junior, pour qui ça l'oblige à shooter l'encore qu'on est à Bié Canton. Oh là là. On peut pas donner où. Abilaton strict. Non, c'est normal. Pabli ou amener 2-0 traditionnel ou à dégager. Et Pabli c'est Haïti. Pabli est habitué, victime de l'arbitrage maison. Oui. Et bien c'est normal, bien Derrick Junior Etienne, blâmé pour ce geste. Averti par Monsieur Fischer. C'est toujours 2-0. Oui. Les Grenadiers pour l'instant. Non, pas Yo, fait l'essentiel. Brian Alceus, il a fait l'effort. Brian Alceus. Oui, mesdames, messieurs, il y a 6 minutes après que 90 minutes a fini. Je ne sais pas si ça tout le temps. Ça. Haïti qui proche de 3e victoire dans la compétition. Si là, je remercie tout le monde qui branche nous, tout côté sous la terre. Eh bien, Pierre-Miguel. Merci pour fidélité nous avec Télévision Nationale d'Haïti. On dit 3e victoire. Eh bien, 3e victoire, ça c'est pratiquement vos ancêtres. Puisque demain c'est 18 novembre. Ah oui. Eh bien, 18 novembre, nous connaissons, c'est Bataille Vertière qui lui-même l'a marqué. Eh bien, donc, il y a une victoire qui pourrait mettre la joie. Ah oui. Qui te bat nous en indépendance et permettre que le pays soit libre. C'est venu première nation indépendante dans le monde là. Eh bien, Grenadier, yo-même, yo a fait l'histoire. Oui. Pour la revanche là et battre Nicaragua la Kaili. Oui. Oui. Haïti qui a pas revanche lui. Puisque. En 2017, c'est eux qui t'ont fait nous parler dans le Gold Cup. Pas plus précipité, bien Michel Pierre-Gilles, mais victoire, ça t'a supposé qualifier nous pour phase finale Gold Cup 2019. Là. Oui, mais donc Cuba, n'a pas Cuba. Non, Cuba déjà. Cuba lui-même, il gagne 9 points tout. Oui. Actuellement, là, il gagne 4 équipes à 9 points. Haïti, oui. Cuba, Jamaïque. Alors, 3 équipes à 9 points. Haïti, Cuba, Jamaïque. Et puis, il gagne Curaçao qui est 4e, il y a 6 points. Voilà, le centre dans la boîte. Oui, on attend. Ballon contrôlé par qui? C'est bien. Non, ballon filé en touche. Pour qui ça rentre touche? Tout qualifié, c'est parce que gagné 6 équipes qui déjà qualifiées pour Gold Cup 2019 là. C'est 6 équipes qui t'ont joué hexagonal final, dernier qualification ou bien dernier éliminatoire Coupe du Monde là. Coupe du Monde 2018 là. 6 équipes qui t'ont joué hexagonal final yo, et bien équipe ça tout qualifié. La dernière c'est États-Unis, Mexique, Panama, Costa Rica, Honduras, Trinidad, équipe ça tout qualifié. Qu'on y a besoin de 10 équipes pour mettre sous 6 ça pour jouer phase finale Gold Cup là, puisque il a joué à 16 équipes. Eh bien, 10 équipes qui mieux classées dans la Ligue des Nations contre CONCACAF, c'est eux-mêmes y a pour. Oui. Haïti, c'est premier, par contre, c'est comme ça. Actuellement, là, nous avons 9 points, différence 16, nous premiers dans la donne. Oui, 34 pays qui ont joué Ligue des Nations. Nous avons remis que nous étions premiers jusqu'à dernier match, nous, dans la compétition, si là. C'est ça. C'est le souhait de tous. Entre temps, mesdames et messieurs, l'équipe haïtienne mène toujours 2-0 grâce à des réalisations signées Michael Cantave, Derrick Junior Etienne. Au micro pour vous servir, nous sommes 31e minute. Nous sommes deux au micro. Estiverne, Dieudonné, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles. Oui, et également Smith Griffon qui assure la coordination. Yvedi Nelson au niveau de satellite. Oui, et Pierrot également présent. Attention, c'est toute l'équipe là qui est mobilisée pour voter match là pour vous. Le match que le gouvernement lui patronne pour nous permettre de vivre. Rencontre là. Daniel la passe Cadena. En profondeur. Cadena très calme. Et Cadena qui joue en retrait. Vers qui, mesdames, messieurs, Galeano, la victoire est acquise. Oui, Mosem Dil, puisque visage que Nicaragua montre nous, hein. Visage, il n'y a pas un visage que Nicaragua nous deux goals. C'est pas Nicaragua. Non, il y a une minute qu'elle a fait un goal. Nous pas bail ou passé. Oui, nous pas bail chance. Mais, oui, il y a eu fait, il y a eu trois goals. Une minute et quelques secondes. La frappe, non, c'est ton passe. La passe latérale, oui. Ballon contrôlé par qui? C'est bien, mesdames, messieurs. Cadena, Daniel. Cadena. Bon, okay. Malheureusement, ça ne donne rien. Oui, il est vraiment frustré. Mais il y a une théorie bien. Parce que on dit nos victoires, même bon là. Oui, la victoire. On dit merci. Victoire là, soit action ça là, c'est signe de faiblesse, c'est signe que Nicaragua n'a pas de match encore. Oui. Et ça, lui, fait affaire nous. Et
Haïti va passer à 9 points sous. Ma félicité Grenadier qui prend revanche. Ah oui. Puisque il était fait nous parler dans Gold Cup 2017 puisque dans tout préliminaire là barrage dans barrage là disons, il était bat nous battu 3 à 1 tant de ça bien dans stade Silvio Kator. Nous t'ai besoin disons un match nul pas t'a déranger nous. Non, même une défaite 1 à 0 pas t'a déranger nous trop. N'al prend 3 goals à 0. Il était besoin 2 à la 85e minute de jeu, nous t'es toujours qualifié pour Gold Cup là. N'a pas rappelé ça t'est passé en mars 2017 soit le 27 mars 2017 dans même stade ça. Oui. Les stadios national de Managua. Différence qui gagne dans stade ça et peut-être c'est l'icaro des chances pour nous, c'est pelouse de cycle là. Oui, il a changé pelouse là et bien équipe haïtienne là c'est Maté monsieur Terrivé font ses échauffement en léger, il était venu faire connaissance avec terrain et bien. Et donc l'hypothèse chance équipe haïtienne 2 goals à 0. Michael Kantaf tout côté chance. Ah oui, Michael Kantaf côté chance. Qui t'a soufflé. Ça continuerait. Il t'a soufflé, c'est hier qu'on connaît que l'arbitre pour Haïti. Voilà, c'est fini. Voilà mesdames et messieurs. Fini. L'arbitre central, le Canadien Andrew Fischer vient de mettre un terme dans cette rencontre. Victoire pour l'équipe haïtienne grâce à des réalisations de Michael Kantaf, 12e minute de jeu, d'Eric Junior Etienne, 31e minute de jeu dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Prochain rendez-vous pour Haïti dans la compétition SILA, c'est pour aller au stade Silvio Kator, disons 24 mars 2019 contre Cuba au stade Silvio Kator. Namikoa, c'était moi-même Pierre-Miguel Pierre-Gilles avec Steven Dudonné. Steven, la boucle est bouclée. Oui, une belle victoire pour Haïti, 2 goals à 0. Déjà, Tébaï Buteur nous rappelait en l'autre fois. 12e minute, c'était Michael Kantaf. 31e minute, c'était Derek Etienne, d'ailleurs, qui soutient l'écran. C'est lui-même qui a salué Jonica Agouin. Geste fair play. Ligue 1, yo même perdu, yo salue nous. C'est normal. Et la joie côté haïtien, public Nicaragouin, qui t'a été là tout. L'a supporté. Et donc, équipe. Déception dans visage, yo. Victoire, ça permet que Haïti passe premier dans notre classement Ligue Nation 1. Placé nous sans s'il tape chercher victoire. Et nous passons premier 9 points. Différence 16. Nous devant. Fondi, en attendant que reste match joué, Cuba 2e avec 9 points, Jamaïque 3e avec 9 points, Curaçao 4e avec 6 points, Curaçao a joué demain lui-même, 3e match par l'IA, l'a joué contre Guadeloupe à 7h dans Aswe. Fondi, suivez qui ça Curaçao a fait pour nous connaître s'il a toujours été en tête après match Curaçao-Lez. Voilà, merci tout le monde, nous souhaitons passer une très bonne soirée sous télévision nationale d'Haïti. N'a croisé bientôt.